Ok. Est-ce que tout le monde nous entend? Est-ce que tout le monde nous entend bien? Allô, allô. Allô, allô, communication. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre émission League of Legends avec Alpha et Sansou. Alors attendez, Yeah. attendez. Je vais vous mettre une playlist parce qu'encore une fois, on vous caste des matchs qui n'ont pas de son. C'est magnifique, c'est Enfin, merveilleux. qui ont du son, mais Mais il avec y a les le son voix. de nos amis américains aussi, du coup, on n'a pas Ça. envie de vous imposer ça. Alors, ce sont d'excellents casters, mais quand même. Voilà. Ouais, mais le son de la game, plus les commentaires américains, plus nos commentaires, ça fait peut-être un peu beaucoup. Il y a moyen. Il y a moyen, il y a moyen. Alors, attendez 2 secondes. Ça arrive tout de suite. Ça arrive tout de suite. Calmez-vous, hein. Donc Restez. l'émission qui s'appelle pour le moment YouLOL, mais c'est provisoire, C'est hein. temporaire comme nom. C'est Big B qui a choisi ça, donc. Oui. Il nous a dit, j'ai mis ça, mais c'est vraiment en attendant. Voilà. Donc, Alors. si vous avez des suggestions pour le nom de l'émission qu'on fera les samedis où on commentera les meilleures games qui se sont passées durant les CS, NA, vous pouvez nous les proposer sur le Facebook, je pense, Ouais, que c'est complètement. une alternative possible. Complètement. Le Facebook d'ailleurs que je vais m'empresser de vous link. Hop et hop. Donc vous pouvez nous suivre là-dessus. Ok, donc au programme aujourd'hui, mon cher Sansushi, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc, au programme, on aurait bien voulu vous commenter les promotions Les up and down. Summer NA, mais le problème, c'est que les vidéos n'ont pas été up. Et puis, honnêtement, c'est pas des games de grande, grande classe. Donc, la semaine prochaine, on vous fera peut-être les matchs de promotion, mais avec les lanternes rouges des LCS, donc contre les équipes résidentes, C'est ça. qui seront peut-être plus intéressantes. Et voilà, donc aujourd'hui on va vous faire CLG Vulkun, la troisième game des C'est cartes ça. finales, et Dignitas GGU, première game du carte finale aussi. Et la semaine dernière on a déjà commenté Dignitas GGU, je crois, Non, on la avait fait dernière game du GGU lot. Dignitas. On avait fait GGU TSM. Ah oui, On avait fait la GGU finale, on TSM. avait fait petite et grande finale, oui. Ouais, et on avait Donc fait là on fait Vulkun carte Curse. finale. On avait fait Vulkun Curse, non, Voilà. je sais plus. Si, Vulkun Curse Ouais. et GGU TSM. Ok. Donc là, on essaie vraiment de se focus sur GGU et Vulkun qui ont fait un parcours remarquable en playoff et qui sont des équipes à suivre, à mon avis, pour la deuxième partie de LCS. Complètement. Complètement, complètement. Voilà, ok, alors on va commencer tout de suite. Excusez-moi parce que je bug un peu. Je bug un peu, je me suis levé il n'y a pas très longtemps en plus. Donc je bug un petit peu pour les transitions, etc. Je vais baisser la musique histoire qu'on soit bien. Mais c'est dingue, le son de. Waouh, ok, très bien. C'est pas grave, on est parti. Oh, mais c'est dingue, ok. Je vais enlever juste la musique parce qu'elle est trop forte donc ça me saoule. Allez, on est parti. On est parti, on est parti, mon cher Sansushi. Donc, on va lancer la Yep. game quand tu veux. Donc 3. GGU, Vulkun CLG. C'est ça, Vulkun CLG. Donc, la troisième game du BO3. Ouais, c'est ça. Donc, CLG qu'on connaît par des grands noms quand même, notamment Double Lift et Et Hot Shot. Ochad Hot Shot GG. Donc on va voir ce qu'ils ont donné contre les Vulkun. Allez, on est parti. 3, 2, 1, top. Hop. La game qui se lance. La game qui se lance. Du coup, voilà, c'est un match à enjeu pour les CLG parce que clairement, ils jouent contre une team qui est vraiment l'underdog. Les Vulkun sont Ah ouais, clairement. ils étaient pas du tout attendus à ce niveau-là, et les Vulkun qui ont pris une game au CLG, les CLG qui, à mon avis, étaient super confiants, et qui, au final, ils font un peu la gueule, quoi. Ouais, ils sont un petit peu déçus. Ils sont un petit peu déçus là-dessus. Parce que Même s'ils ont le vraiment. sourire, hein. Ils ont le sourire, mais bon. C'est Bah, clairement. Ils ont. Fromo, là, il avait le smile. Bah là, par Alors que contre, lui. Vulkun, ça fait un peu la gueule. On sent que les Vulkun sont un peu au fond. Parce qu'en fait, les 2 premières games, on vous raconte rapidement comment ça s'est passé. CLG a perdu la première game. C'était un stomp total. Et la deuxième game, c'est Vulkun qui l'a remporté avec un stomp total encore plus. Donc, oui, donc du coup, les Vulkun étaient un peu au fond là.
parce qu'il venait de se faire un peu rétamer. Ouais. Mais on est à 1-1, donc la tension est à son comble, il s'agit des playoffs, hein, on le rappelle. La C'est game ça. date un petit peu, mais Bah là, c'est malheureusement... surtout sauver sa peau au LCS, quoi. C'est ça, c'est ça, Parce que c'est clairement l'équipe ça. qui passe ne devra pas jouer le up and down, du coup, bah, on se met bien, quoi. On est sûr d'être payé la deuxième partie de LCS, donc ça fait toujours plaisir. C'est ça. C'est ça, donc voilà. Alors, côté des bans et des picks. Alors, en ban, on a Renekton, Nasus, les deux bros là qui sont fait ban Ouais, directement on par banne Selj. l'Egypte, on n'aime pas C'est ça. ça, on n'aime pas l'Egypte. Chaîne de ban, très classique. TF aussi, Lux, un peu moins classique comme ban. Lux, moins Ouais, classique, et ouais, mais Jayce qui bon, est ça fait très. toujours le taf. Jayce qui est très très souvent. Très très souvent ban. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ouais, On le voit c'est. vraiment souvent ban au ouais, LCSNA. ONA, ouais, on n'aime pas trop Jayce, alors je sais pas trop pourquoi. Bah, Bon. c'est un bon top, hein. Il a une capacité de harass, de poke, il fait de gros dégâts, enfin, il a un bon Ouais, burst, mais. quoi. Donc, après, voilà, à voir pourquoi ils aiment si peu ce personnage. Et tu vas être content, on a un Twitch choisi par Double Lift, Ouais. côté CLG. Côté LCLG, on va avoir une botlane très Twitch. Donc très très fort, ça Ça fait harasse. mal. C'est inchoppable Twitch, il va être inchoppable avec le Thresh. Après, il se met fufu, il va être tranquille. Alors qu'en face, on aura Sona Tristana. Pareil, ça poke bien. Ça poke bien, Tristana une portée de fou furieux, excellent en Bah dans les endgame, derniers niveaux, hein. ouais en Parce endgame, que dans les premiers niveaux, ça fait un peu la gueule pour ça fait un farmer peu quand la même. tronche, c'est clair, et en plus ça push facilement la lane avec son passif, donc Tristana un carry AD assez dur à maîtriser je trouve, moi j'ai toujours eu un peu de mal avec ce perso, Moi j'aime bien. à comparaison avec des plus faciles comme Caitlyn, etc. Donc bon. C'est clair que c'est pas le carry AD le plus simple de la Terre à jouer actuellement, mais en late game, ça fait tellement le taf, quoi. C'est ça. C'est ça. Niveau Jarvan qui sera dans la jungle, comme d'habitude, Jarvan très souvent pique. Ouais, Aussi Jarvan bien contre un EU. Volibear en face, je pense. Ouais, ça va être ça, Ouais. avec une Orianna mid, un Malphite top, Ouais, et une c'est ça. Diana mid, Diana côté mid, ouais. Vulkun, Diana qui est qui très très ressort souvent beaucoup, sortie. hein. Ouais, Diana Ouais. qui revient à la mode, aussi bien côté EU que Clairement. Asiat que NA. On la voit de plus en plus prise. Elle a été re-up il n'y a pas très très longtemps, donc forcément. Les gens la trouvent plus intéressante tout de suite. Tout cela est étonnant. Donc Diana. Et voilà, il y a vraiment du gros gros gros. Ça va être vénère. Hein. La Orianna et Malphite en teamfight. Ouais. Bah ouais, là Pouah, c'est pouah, le le combo. combo dévastateur. Combo Malphite-Orianna. Wombo. Wombo Là tu combo. fais les deux ultis, ça fait le massacre. Ouais. Derrière, il y a Twitch qui va pouvoir DPS en free. Il y a Volibear pour faire un bon engage. Enfin, la compo CLG a l'air très très Par fort. contre, le Twitch, mais il va se faire dépop par la Diana. Enfin, je veux dire, la Diana va lui sauter dessus, le Jarvan aussi, la Irelia aussi. Il y a plein de dash Bah, côté c'est Vulkun. là où les CLG devront bien gérer leur teamfight, c'est Ouais. vraiment protéger ce Twitch. Encore que à côté, il y a quand même Volibear et Malphite qui peuvent faire du dégât. Ouais, Mais mais. bon, ça reste le Twitch le plus important, donc il faudra protéger. Alors que côté Vulkun, c'est une team un peu plus assassin quand même, hein, Ah parce ouais, on est que clairement sur un. Irelia, Jarvan, Diana, Bah, t'as pas Irelia, devoir Diana. sauter dans le tas. Ouais. Ah ouais, c'est assez Ouais, vénère hein, ce qu'il y bah. a côté Vulkun. Moi, j'ai un peu peur pour CLG. Clairement, il faut que CLG arrive à engage en premier. C'est clairement l'objectif. S'ils se font engage avant par les Vulkun, les teamfights vont être très compliqués Bah, c'est surtout pour qu'il va l'équipe falloir américaine. réussir à bien placer le combo Malphite-Orianna si on veut que le teamfight soit bien géré, quoi. On l'a déjà vu dans les matchs de promotion EU où il y avait un combo Rumble-Orianna où Orianna mettait l'ulti dans celui de Rumble, ça faisait des désastres. Enfin, la team ennemie c'était Giant qui se faisait mais éclatés quoi, ils y laissaient une jambe par là, une main, un bras, enfin c'était dégueulasse quoi. Et c'est. Enfin, Orianna c'est très très fort pour ça quoi. Clairement, clairement, Orianna, ça envoie le taf de ce côté-là. On va voir du coup comment vont un peu évoluer les deux équipes. Personnellement, vu la compo, j'ai quand même un peu peur pour CLG, mais s'ils arrivent à se feed en early, surtout Orianna et Bah moi je Malphite. trouve que la compo est quand même favorable au CLG, hein. Niveau teamfight, Niveau teamfight, certes, ça va être mais. monstrueux. Après c'est clair que si les Vulkun arrivent à faire la différence en lane,
S'ils ouais. arrivent à prendre une nette avance sur les CSG, ils vont galérer parce que s'ils mettent mal le Twitch derrière, il n'y a pas assez de dommages pour bien faire les teamfights. Ouais, clairement, mais clairement. Bon. Alors là, du côté des deux équipes, ça commence à ward un peu des deux côtés. Là, de la ward posée vraiment partout, c'est typiquement le style... enfin, États-Unis, on a toujours mass ward en oui, début de game. Enfin, ce même niveau monde. Hein. Ouais, niveau on monde. On veut pas avoir d'invade, donc ouais. on ward de partout, on sécure bien notre jungle. C'est ça. On met des wards au bleu pour pourquoi pas essayer de style le bleu plus tard dans la game. Mais ça là... change quand même de la saison 2. Hein. la bonne vieille S2. On changeait les camps au début. C'était plus. Chacun change de base. Ouais. On va faire la jungle de l'autre. C'est ça, donc on va voir un petit peu ce que vont donner les deux équipes, ça ping un peu des deux côtés. Bon, pour l'instant, assez passif, il se passe pas grand-chose. Volibear qui va commencer un peu avec l'aide de Malphite sur ses loups. Il va start à son blue, ouais. du coup on n'aura pas de first gank au top. Non. Ouais. À moins qu'il ait des balls et qu'il y aille direct après le bleu, mais ça m'étonnerait. Non, Jarvan a l'air de se diriger vers son raid aussi. Ouais. Il va start avec les golems. Les golems qui sont là, qui vont être donnés à Jarvan. Donc en effet, un start au raid pour Jarvan qui va peut-être gank un first gank mid, pourquoi pas. Bah du coup, ça va être soit first gank mid ou bot, sachant qu'on a un swap de lane. Attends. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette early? Tristana qui se décale jusqu'au bleu. Oh, ils vont laisser le bleu à Diana. Ouais. Diana qui va être laissée seule au bot contre Twitch et Thresh. Donc avec un blue buff, donc elle c'est devrait pouvoir farmer assez aisément. C'est par très contre, bien. Jarvan va être super en retard. Hein. Ouais, Jarvan va... Là, niveau XP, ça va être compliqué pour lui. Hein. Il va être mis un peu mal, le Jarvan, mais clairement, c'est un bon deal pour la Diana. Ils ne veulent pas que cette Diana ait une game complètement ruinée par une duo lane, parce que là, voilà, on a les Vulcoon qui ont switch lane, donc clairement, pour ne pas trop avoir de casse, ils se sont dit, voilà, on va limiter les dégâts, on va counter complètement Link avec Soriana au mid et notre Diana, on va aller. Eh ben la Diana, elle a pas le bleu. The fuck? Elle a pas le bleu, c'est Tristana qui l'a pris. What the fuck? Ok, attends. Ça, c'est un peu con. Est-ce qu'ils ont fail et qu'ils ont donné le... Non, ça m'étonnerait que c'est fail, mais c'est pas possible, attends. Ah, ça arrive à tout le monde de fail. On a Shoster qui va peut-être se décaler vers un premier gank au bot. Ouais, c'est pas wardé en plus. Le tree dive à 3 minutes, hein. Le tree dive à 3 minutes, très classique chez les N1. Clairement, et ouais, là. Mais Diana est bien sous sa tour, hein. Elle est full life, ça m'étonnerait que. Ah, mais y'a un trash. Ouais, y'a un trash, c'est pété, la mais quand même. La fossile, elle te sort sous la tour quand même. Hein. C'est vrai, mais il faut que la fossile touche. Attention, là, ils sont vénères, ils vont y aller. Diana qui est obligée de back Diana là. Le farm deny. C'est barré. Ah, l'XP totalement deny, bien joué de la part des CLG qui empêche totalement Diana de farm. Alors, c'est dommage, hein, parce que. Enfin, Tristana avec le bleu, alors toi qui es joueur de Tristana, tu vas peut-être pouvoir nous dire en quoi est-ce que ça aide vraiment là. Pour une duo lane mid contre une Orianna, elle va peut-être pouvoir spammer son E si elle l'a pris. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est EP le E en premier et le lancer parce que ça a quand même un bon poke. Ouais. Mais ouais, le bleu en first sur. Enfin, c'est pas ça qui va rendre Tristana meilleure en early, quoi. Bah ouais, c'est assez étonnant. Ça va lui permettre d'être un peu plus safe parce qu'elle va avoir son jump plus souvent et. Oh, attention, le gank de Jarvan, Smithy qui fait du dégât à Link et Link qui ne tombera pas. Pas de soucis, mais c'était bien tenté de la part de Link. Ouh, aussi pendant ce temps. Et là, Diana qui prend super cher. Elle a 4 de farm contre 17 pour Orianna. C'est compliqué. Oh, attention, Shoster qui est venu aider un petit peu Orianna au mid et... Oh, Shoster qui prend cher quand même, hein, face au petit standard. Il n'y a plus une vague de creep qui passe. Ah ouais, c'est horrible. Qui passe la deuxième tour pour les Vulcoon, c'est compliqué. La Diana, elle a... Enfin, moi, à la place de la Diana, je rush quitte. Oh, ouh, le petit grave, là. Complexe quoi, t'es là, j'ai rien faire. Je sers à rien, merde.
tous les creeps viennent s'empaler sur cette tour. C'est horrible. Surtout que Diana, avec son passif, c'est pas facile de la stit sous la tour. Ouais. Parce que forcément, le troisième coup va faire ça défonce plus de tout dégâts. Le monde. Ouais. Du coup, c'est pas terrible pour la stit sous la tour. Oh, les Vulcoun qui tentent un invade avec une pink ward. Ah, ils ont envie un petit peu d'ours grillé là. Mais oh, ça fonce dans le tas. Attention, X-Mitty qui arrive. Bloodwater qui est en renfort sous la tour. Mais non, Volibear il est pas fou. Il va pas rester se faire découper. Et la tour mid qui est prise. Première tour qui tombe pour les Vulcoun. Donc, bonne opération. Et du coup, Tristana et Sona qui vont décaler au bot pour essayer de sauver cette tour. Ouais. Et bon, là, il y a Diana, elle est tellement en retard maintenant. Non, mais Diana est juste, elle est out of the game un peu, quoi. Enfin, pour le moment, Mais bah elle là, est pas, elle est pas tant. Farmer un peu. Mais... Elle est pas tant à l'ouest que ça. Elle est à 17 creep, Orianna à 25, c'est rattrapable. Mais clairement, là, il y a une petite dizaine de creep de retard. Ouais, enfin, ça lui empêche tout espoir de feed dès l'early. Là, clairement, elle est un petit peu. En même temps, Diana, dès qu'elle aura son Zhonya, elle sera efficace en teamfight. Voilà. Ouais. Donc, bon, c'est pas le plus dérangeant. Quoi. Ouais, on va voir ce que ça va donner au Chuchi. Ce sera Orianna dans la même situation, la game serait nettement plus compliquée. Quoi. Clairement, et oh, attention, Ocho-Gigi qui se fait un petit peu agresser par Irelia qui n'a pas envie de le laisser back si rapidement. Et Ocho-Gigi qui a deux niveaux d'avance. Ouais, Irelia qui est très très bien dans sa game et qui est à 47 creep, juste un ou deux de moins que Twitch. Donc les tops qui farment bien, hein, pour le moment, ils sont très très bien dans leur game. Ouais, en même temps, Malphite Irelia, c'est un match-up... Ça trade, mais pépère. Ça trade pépère. Malphite fait pas assez de dégâts pour tuer Irelia. Et Irelia, pareil, avec le spam son ulti. Elle spam son ulti à ce heal. Ouais. Bon, elle tuera pareil jamais Malphite, donc faut un bon gank. Ouais. Et la tour là, tour qui va tomber. Hop, la tour qui est prise par Double Lift. Avec les spires. C'est bien joué, donc 1 à 1 niveau des tours de côté pour ces deux équipes. On est à 7 minutes de game, voilà, à peu près 200 gold d'écart, c'est vraiment pas beaucoup. C'est ça. C'est vraiment pas beaucoup et pour le moment les deux équipes... C'est surtout le mythe quoi, c'est vraiment l'Orianna qui a fait clairement la diff par rapport à la Diana qui lui met 20 creep bientôt. Ouais. Donc c'est là où il y a l'écart de gold après, c'est pas irrattrapable. D'ailleurs, ils sont revenus à égalité au niveau des ils sont revenus à égalité. Peut-être une vague de creep qui a été prise. C'est Tristana qui a pris une grosse vague, je crois. Ouais, il y a moyen. Elle était derrière Twitch, elle vient de repasser devant. Il y a moyen. Attention, Ocho-Gigi là qui va peut-être se faire gank. Jarvan qui arrive. Oh, joli oh, Unstoppable Force qui a été claqué pour complètement deny le stun de Jarvan. C'était bien joué. Gros timing là de Ocho-Gigi. Il a vraiment géré. L'ultime Malphite qui dit clairement non. C'est ça. Jarvan, non, cordialement, non. C'est vraiment, c'était non, ça. Mais, alors, ne crois pas, tu vas me faire sauter avec ton épée ridicule. C'est ça. Je suis un bloc de pierre. Oui, tu oubliais. là, on l'a vu vraiment. Caillou est une merde à côté de moi. C'est ça. Appelle-moi Gravalanche. C'est ça. C'est ça. On est fan de Pokémon avec Alpha et surtout. C'est ça, révise nos Pokémon. On va faire un Pokérap à la fin du cast, ça va être super. J'ai tellement jamais réussi à le faire, ça. Eh, c'est dur, hein. C'est trop dur. Je suis essayé le début. C'est trop chaud. Mais les trois premiers, mais alors après, t'es paumé quoi. Mais je vais l'apprendre. Un jour, je le saurai. Un jour, je serai le meilleur Pokérappeur. Bon, on va arrêter de raconter de la merde. Oh, attention. Ocho-Gigi qui clairement leur dit non, les gens, vous ne me gankez pas. Vous avez compris? Non, je ne veux pas. Ocho-Gigi qui fait moi je viens de StarCraft, les mecs. Moi j'ai plus de PM que vous, plus de réflexes. Vous pouvez pas test. C'est vrai, il vient de StarCraft, Ocho-Gigi. Je savais même pas. Non, ça. Non, mais. Ah, non. D'accord. Attends, tu m'as mis de l'espoir en mode putain, en fait, c'est un mec qui s'est reconverti et tout. Non, mais Gigi, je crois, c'est un sacré pro player. Il a déjà exercé sur plusieurs jeux. Bon, il s'est pas fait autant connaître que sur League of Legends, mais il a un bon passé de sporteur. Oui, et puis c'est un joueur avec des builds très exotiques et vraiment énorme. Drake pour les CLG qui va être totalement free. Vu que les Vulcoons sont au top en train d'essayer de chasser ce caillou. Oh, attention, Ocho-Gigi qui se fait gank là, par contre ça va être difficile pour lui, il prend super cher. Oh là 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 là. Oh, il le voulait tellement. Drake.
Ouais, pour un pas draft. top. Ah, c'est le First Blood quand même, hein. Ça Ouais, fait c'est deux First Blood. assists. Ouais. Ça fait quand même 700 gold. Non, ça reste. Ça reste à Ça l'avantage des reste Vulcoun. rentable pour le CLG. Ça reste quand même à l'avantage des Vulcoun qui ont fait ce First Blood malgré le fait qu'ils aient lâché le Drake. Bah, ils ont fait Bien. clairement la différence au niveau du farm. Irelia qui a pris 13 creeps d'avance maintenant sur Malphite. Irelia qui est bien. Et Irelia qu'on voit peu au final. Hein, on la voit Oui, moins qu'avant, quoi. qui était un top pick avant et Ah ouais, mais maintenant l'époque ça s'est un Better Nerf peu. Irelia, c'était Ouais. sympa. Je Et la c'est jouais. clairement le nerf de la Trinité qui l'a complètement Ouais. tué au même titre que Jax. C'était vraiment des persos où la Trinité était. C'est-à-dire sans Trinité, c'était des persos moyens. Et dès qu'ils faisaient la Trinité, c'était des dieux. C'est ça. C'était des dieux. Et alors après, s'ils faisaient l'ange gardien, bah, les mecs faisaient la game tout seuls. Et Ouais, on a ou. nerfé cette Trinité. Et c'est à partir de là où on a commencé à nettement moins voir ces personnages. Clairement. Clairement, et niveau du stuff, qu'est-ce qu'on a là? On a une Irelia qui a l'air de s'orienter vers une lame du roi déchu. Ouais, classique, Oh hein, là là classique là lame. là! Oh là 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 là! Gros fail, gros fail, gros fail. Mais en pause. Très Qu'est-ce que t'as bien. fait? Très très bien. Très très bien. Il y a la game qui s'est reset. Je me suis planté de bouton. Ah. Alors, tu es à combien? On revient tout de suite dans Je la suis game. à 22-10. 22-10. Ok. 11 minutes 11 de game. 22-10. Ah, très bien. J'y suis. J'y suis. J'y suis, j'y suis. Et on est reparti. 3, 2, 1. Top. On est reparti dans la game. Petit fail. Hein. Excusez-nous. On est de retour. Et on disait donc niveau du stuff. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des choses un petit peu hors du commun Bah, il y a côté un CSG? Razor Madred qui a pop sur le Jarvan côté Vulcoun. Normal. Alors ça, je suis vraiment... Bah non, je suis pas fan. Hein. Ah bon? Bah moi Ah je ouais. trouve c'est bien. L'item qu'on fait, donc c'est l'esprit de l'ancien golem, je crois, Oui, c'est il y a qui deux permet écoles. de la ténacité, du cooldown réduit. Je trouve ça tellement efficace sur les junglers maintenant. Ouais, mais C'est... ce qu'il faut pas oublier, c'est que Jarvan a eu une jungle difficile dès le début de game avec le bleu qui a Ouais. été donné. Donc pour revenir, la vitesse de farm dans la jungle est plus rapide au Razor de Madred. C'est clair qu'il va farmer plus rapidement avec son Madren, il va cleanse plus rapidement. Mais après, en late game, enfin, ça sert vraiment à rien, quoi. Parce qu'il va pas faire une vraie gueule. L'item est devenu vraiment inutile. Ouais, c'est vrai. Donc, va falloir le revendre et ça va lui faire perdre. Enfin, ça va lui faire perdre du temps sur l'itemisation. Là, il a l'air de partir sur une égide, je dirais. Une Y a moyen. égide ou faire un. Un Iron Solari avec des boules de mercury, enfin bref, on verra. On verra bien, ouais. Et côté du mid, en tout cas, ça push assez fortement les Vulcoun qui sont déjà à 500 gold d'écart. Donc, un petit écart qui commence à se creuser. Mais néanmoins, un écart. La Diana, on va regarder un petit peu son farm. La Diana qui revient un petit peu. Elle est toujours bien derrière l'Orianna. Elle est à Elle a toujours 20 77. creeps de retard, elle part Ouais. sur un Zhonya first, donc comme Évidemment. ce qu'on a dit, hein, elle va être efficace dès qu'elle aura son Zhonya de up. Attention, là, peut-être. Tristana qui fait l'âme d'infini en premier. Ah, je suis déçu. Classique. Je suis déçu, je voulais voir une Tristana Ah, AP. oui, non, mais Avec le là, faut bleu, tu quand même sais. des carryadés. T'imagines le truc, quoi. Bah non, mais il lui donne le bleu, je me dis, ah, peut-être, pourquoi pas, tu vois. Ah ouais, non. Pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin bref. Et les CLG qui sont à 4, là, qui vont tenter un invade de la jungle. Attention, là, le bleu qui est en Ouais, train mais d'être qui a fait spoté par par une pink Diavna. ward. Ah, attention, attention à pas se faire Ah, attraper. ils ont pas pu la Sona, prendre. Sona est restée, elle avait des balls là, hein. C'était un peu Oh, dangereux. Sona, elle a réussi à tomber la ward, c'est super bien joué. Ouais, j'ai vu Du ça. coup, les CLG qui ont plus la vision sur le bush, bon, ils vont faire quand même ce bleu, mais il n'y a Voilà. plus de smite côté Volibear. Non, il n'y a plus de smite, mais le bleu a été fait, donc ça, c'est le bon trip et c'est le bon deal. Bah, il l'aura récupéré pour le Drake. Ouais, le Drake Et irait du pop coup, dans une Irelia qui a 50. split push la tour top, super bien joué. Tranquillement. Ça fait dernière tour extérieure top qui tombe. Irelia, Donc là, inlassablement. c'est une menace imminente pour les CLG. Irelia qui est au top farm. Hein. Qui est au top farm, qui arrive à vraiment Ouais. farm sans problème avec son A. Et attention là. Oh, le grab qui est passé à deux poils des fesses de Diana. C'était un petit peu Irelia chaud. qui termine sa lame du roi déchu, mais c'est
Enfin, moi je trouve que c'est comme ça que ça se joue, Irelia. C'est. Tu cherches pas à Tu prendre farmes. des fights, tu farmes avec ton ulti, en C'est plus tu ça. peux push très Ah rapidement, ouais, c'est tu impressionnant. farmes très facilement, et dès que t'as la l'âme du roi déchu, je pense qu'elle peut commencer à trade, ou sinon il va attendre un ou deux items de plus, Ouais, et pour être un peu plus il tanky va être peut-être. tellement increvable. Là, il prend juste une ceinture de géant en plus, et en teamfight, ça va être un Ouais, monstre. c'est ça, c'est On ça. Il va y a juste à jamais tanker un pouvoir le peu. tomber, il va faire masse dommage. Il va jump, En tout cas, chase vraiment ouais, comme un c'est fou. ça. C'est vrai qu'Irelia là-dessus c'est un très très bon perso. Hein, et Volibear qui prend son rouge de ce côté-là. Les CLG un petit peu sur le back foot là pour le moment dans cette game. Le petit trade entre Hotshot et Irelia. Mais Hotshot, tu ne peux pas trade contre Irelia. Elle est juste trop Ouais, trop elle forte. fait trop de dommages, En mais plus, Irelia il n'y avait peut plus de pas mana. trade non plus. Il y a trop de creep, donc elle Ouais, prend trop cher. c'est ça. C'est Donc ça, bon. mais bon, enfin, Hotshot qui avait plus vraiment de mana pour le fight là. Notre ami Thresh qui va ramasser ses âmes, il est content, il n'y a pas de Miss Fortune sur la map. Il y a des âmes, donc c'est la bonne vieille vanne des roues, ça passe Normal, il n'y a pas de toujours. roue. C'est ça. C'est ça, c'est ça, il n'y a pas de Leona non plus. Et les Vulcoons qui se dirigent vers le Drake, qui vont le préparer, donc attention là, côté CLG à pas se laisser surprendre, il faut arrêter de farm les gens. Ils ont le timer, les CLG ont le timer aussi normalement. Voilà, le Drake qui repop, attention, ça commence à être Ouais, DPS, ça voilà. commence à tomber très vite Là, là, on va avoir un attention. premier Les fight. CLG qui arrivent là, le Drake qui est clairement contesté, qui est reset, Shoster qui récupère le Drake. On va voir comment ça va se passer. Les Vulcoons qui ne veulent pas lâcher ce Drake clairement. Irelia qui revient à fond la caisse et qui va essayer de venir un peu apporter du soutien. Et les CLG qui ont l'air d'abandonner le Drake. Non, Thresh qui revient, voilà, ils reviennent. Ils sont un peu éloignés, c'est dangereux. Attention, le TP qui est claqué, le Drake qui va commencer à être engagé, il engage. Zonax qui fait Oh, choper le la drop distorsion. sur Oh, le joli Tristana! ulti de Thresh, Jarvan Ah, qui joli. engage et qui commence à focus, mais ça tombe pas. Double Leaf qui est tombé, qui a pris d'énormes dégâts. Le joli ulti de Malphite sur les joueurs Vulcoon. Ah, et Irelia qui tombe hyper hyper vite. C'était. Oh là là là, c'est difficile. C'est Oh difficile. là là. Les Vulcoon qui Très bon fight des Vulcoons. inflige une correction assez amère. Alors là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Attention, Hotshot là, à pas revenir. Ça peut être dangereux là. Ah, Hotshot qui fait un peu de Suna. dégâts. Et Suna, mais je sais pas si t'as vu, mais qui s'est fait focus en premier et qui s'en est sorti. Il s'en Il est s'en est sorti sans sorti problème. grâce à son jump. C'est Attention. très très bien joué. Ouais, Et X c'était. Mythic qui a très bien géré dans ce fight parce qu'il a mis son ulti, il a chopé trois personnes et après il a flash out de son ulti. Du coup, les personnes étaient dans l'arène, ils pouvaient pas bouger, ils pouvaient pas se joindre au fight. C'était trois personnes totalement inutiles. Ouais. Et à côté, bah, on avait Diana qui faisait le dommage sur le Twitch, qui l'a tombé très rapidement malgré qu'elle ait peu de stuff. Ouais, de Twitch qui est tombé en Et premier dans le voilà. fight, hein, clairement. C'est ça. On l'avait dit tout à l'heure, si jamais la Diana arrive à atteindre Twitch, ça va être fini pour lui, ça va être très difficile. Et en Et effet, c'est alors ce qui s'est Diana passé. qui a pas encore assez de dommages, elle a Non, mais on l'a vu, hein. qu'un calice, Elle a ouais, claqué genre. l'ulti sur Zuna, Link a claqué l'ulti sur Zuna, et Zuna n'a vraiment pas pris beaucoup de dégâts avec sa Tristana, donc bon. Actuellement, c'est vraiment Twitch qui fait tout le dommage pour les Ouais. CLG. Et vu qu'il est tombé très vite dans le fight, il n'y avait plus rien après pour gérer Irelia ou Jarvan. Donc forcément, Ouais. le teamfight a été aisément gagné pour les Vulcoons. Et du Clairement. coup, qui prennent facilement 4K d'avance sur les CLG. Grosse vague de farm pour Oh là Zuna, là, là, ça qui va farme se mettre tellement bien. vite. Oh, ça farme Ah bah super. là, Tristana, stéroïde plus le passif du E. Ah ouais, c'est. Peu importe le nombre de creeps qu'il y a, ça passe tranquille, Ah, quoi. ça fait super mal. Mais Irelia aussi, ça farme bien. Là, on le voyait avec le reset de la charge sur l'élastite. C'est assez efficace pour farmer avec ce perso. Et attention, là, ça ping beaucoup. Ça veut se rejoindre un petit peu au mid, là. Les Vulcoons qui sont très Ouais. bien, là. Hein. On a 4K gold Bah là, les d'avance. Vulcoons ont pris un sacré avantage parce que maintenant Diana a son Zhonya. Irelia a fini ses Mercury, on a un Aegis qui a pop côté Attention, Jarvan. Hotshot GG, joli, le contrôle de Oh, qui se Jarvan. fait Hotshot choper. qui ulti sur Sonna pour se Oh, barrer. qui pour se barrer. Ah, clairement, il lui met pied dans la Ça, c'est gueule, au tu passage, tu sais. sais. Genre, hey, bon anniversaire, pa! Il se C'est barre, tu gratuit. Au fait, je me barre. sais. C'était pas mal. C'est genre, elle était là ou pas, il s'en foutait, et il le faisait, C'est quoi. ça. C'était vraiment non-respect total. Et là, du coup, les Vulcoons qui a un avantage énorme, Shoster,
qui sait pas ce qu'il fait. Qui passe à côté d'XPC. C'est ça. C'est ça. Ah ouais, sub bro, c'est cool la jungle, hein, t'as vu. Entre... normalement, il devait y avoir une épée qui dépasse de 10 mètres au-dessus des buissons, il a rien vu. Mais... attention, là, le bloqué est pris par Shoster, c'est bien joué, on ne laisse pas ça à l'équipe adverse. Mais ouais. Du coup, on le laisse pas à Orianna ni à Malphite, du coup, ah bah ça là, va être compliqué niveau mana. Ouais, c'est toujours une petite victoire pour les Vulcans qui arrivent à forcer, ouais, à forcer le smite et du coup la prise du bleu par Shoster. Orianna qui est pas super bien, c'est vrai. Orianna qui est. Bon, elle est bien en farm. Elle vient de finir son Graal impie, du coup, elle va commencer à faire un tout petit peu de dommage. Mais elle est tellement loin de la Diana, quoi. Elle a ouais, pris 2 kills, elle est revenue totalement au niveau du farm. Là, elle va avoir un bleu, du coup, ça va être. Enfin, là, le prochain teamfight, si les Vulcans ne tardent pas trop à engager, à mon avis, ça va être un massacre pour les CLG, parce que là, il y a. Tout le monde est en avance côté Vulcan, quoi. C'est ça, tout le monde en avance. Il n'y a pas un seul qui est un peu en dessous. Volibear qui est un peu en farm, mais c'est normal, il est dans la jungle. Le farm n'est pas censé être super haut pour les junglers. Et le rouge qui va être pris par Shoster, j'imagine. Par Shoster. Double lift. Non, double lift ne prend pas. Je sais pas, j'ai pas vu. Ah non, il l'a c'est pas dommage pris. Parce que ça pourrait le sauver quand ah même. Ah si, je crois bien qu'il l'a pris. Non, bah non. Ah, je suis perdu. Non, c'est Hotshot GG qui a pris non, le rouge. Non, c'est Hotshot qui l'a pris. C'est Hotshot qui a pris. Attention, il va se faire engager par Jarvan Jolly, esquive. Alors là, voilà. C'est encore très très bien. Qui c'est ça. Pour... c'est ça. Il est forcé à chaque fois d'utiliser son ulti pour disengage. Et c'est là que les Vulcans gèrent bien. Ils savent qu'ils vont pas le tuer. Mais ils savent qu'ils vont, ils vont le forcer à utiliser son ulti. Et c'est là l'intérêt du gank. Hotshot GG a quand même beaucoup de CDR pour le moment avec l'item, linceul, je sais plus comment ça s'appelle, le linceul de glace, ouais, la boule rouge là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais on les voit, les Vulcans sont d'un coup beaucoup plus agressifs, ils savent qu'il n'y a pas d'ulti de Malphite. Ils savent qu'ils sont nettement au-dessus, en avantage au niveau item et en plus niveau fight, il reste plus que l'ulti Orianna quoi. Donc forcément ça fait un team fight quasiment free. Bon, ils veulent pas de dive quand même. Ils sont. Attention, Hotshot GG qui prend quelques dégâts. Il y a Relia qui fait assez mal, hein, mine de rien. La vache, il a de l'armure, hein, c'est ça le pire. Hein. Il a un linceul de glace. Quand vous avez un linceul de glace, un bouclier de Doran et des Tabi Ninja, je sais pas combien il est en armure, il est à facile plus de 100. Mais c'est fou de prendre aussi cher, quoi. Et Relia lui met vraiment la Relia fait quand même du trou dommage avec son Z, mais ça fait pas des masses de dégâts. Oh, attention, X-Mythic a fait, il se engage. Ah, ça aurait, ça aurait été Blitzcrank là, ça aurait pas été la même. c'est pas le même grab quoi. Non, c'est un peu plus déçu. Moi je préfère le grab de Blitzcrank hein, quand même. Hein. Il est plus. Ah, je sais pas. Ah, il est plus efficace quoi. Il est plus efficace, mais bon après tu contrôles moins comme un porc, comme le c'est fait. Ça. Parce que le grab de Thresh c'est quand même un. C'est long en fait. Un contrôle vachement plus long. Mais enfin. Ça te donne plus de possibilités tactiques avec Blitzcrank parce que tu peux choper les mecs à travers les murs et ça c'est... Oui, c'est clair que tu le ramènes, donc du coup c'est un engage super facile, mais le truc c'est que tu le contrôles vraiment pas longtemps et un flash out derrière et c'est fini, le mec tu le vois plus quoi. C'est ça. Et niveau des gods, là on a l'écart qui n'a pas encore 10K. Vraiment été... Non, on n'est pas à 10K là. On est à 33. Ah non, je vois... ah oui, je voyais 37 moi. Et tu regardes en 240p. Bah oui. Mais oui, avec on est ma connexion de roumain. C'est ça. Moi, ma connexion de bolivien. Oh, le gras. Oh, trop greedy. Tout ça pour une ward. Attention, le combat qui est mis. L'engage au Hotshot GG. Très joli là. Jarvan qui saute dans la mêlée. Chester qui prend les gars qui flash out. Mancloud qui zonia au milieu de tout ça. Et Hotshot GG qui disengage. Le teamfight qui au final ne fera aucune victime. Gros teamfight, aucun mort. Ouais. Mais pourtant, ça y a été. Il y a Irelia qui se faisait le Drake. Et ça va être un troisième Drake pour les Vulcans. Ouais, donc très là, très bien. Ouais, les Vulcans qui décollent. C'est l'envolé niveau gold. C'est l'envolé, on est à 23 minutes de game, 34,5 à 28,5. C'est dur. 6K gold. On est revenu à 6K gold, les CLG étaient un petit peu revenus, mais néanmoins, l'écart est revenu à la normale. Et Irelia qui est presque à 200 creeps. Ouais. Ça farm pas mal, 204, 205 creeps. La vache, comme ça monte trop vite. Il y a un gros avantage côté Vulcan au farm parce que même Tristana est en avance. Et Tristana qui est Tristana là, qui... bah, elle est à 200 de farm, elle fait du 3-0-1. Ouais. Elle est tellement au-dessus du Twitch quoi.
C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que du coup, avec cette méta de switch lane, on a plus des on a des compos en fait qui dépendent quasi, enfin, qui dépendent en grande partie quand même sur les tops et les carry AD. Parce que les mids sont très souvent counter, j'ai remarqué. Là, par exemple, typiquement sur cette game, on a Orianna et Diana qui se sont fait un peu En le NA, oui. counter. Donc, ouais, on est en NA. Mais, et du coup, on a les mids qui ont pas un impact si incroyable en teamfight comparé. Enfin, voilà, tu compares Ouais, c'est clair. avec Irelia ou Zuna qui font le DPS. Enfin, voilà. Donc, je sais pas, ça doit pas être fun de jouer carry AP au NA. Moi, ça me plaît. Ouais, bah, ça dépend vraiment des Les games persos, parce après, que ouais. des fois, c'est aussi le top qu'on cherche à deny. Mais c'est vrai que plus souvent, on voit les midlaners qui sont au fond dans leur game parce qu'il y a des swap lanes, parce qu'ils vont se faire gank un peu plus souvent que la normale. Mais Ouais, et puis on a c'est clair que certains. là, une Orianna, tu la laisses farmer normalement, ça te fait des teamfights tellement monstrueux. Ouais, des dégâts Vaut mieux ravageurs. essayer de la deny, quoi. C'est ça. C'est ça. Et attention, là, on a un petit ping. Là, ça déward des deux côtés, ça déward On a pas un mal. oracle chez Sona, On donc a un là. Orak chez Thresh aussi, il me semble. Ouais. Peut-être, peut-être. Côté stuff, on en est où? On Côté a. stuff, on a Abyssal Ah, chez chez Diana. Diana. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal comme item. C'est pas mal, ouais. Ah, j'aime bien moi faire Mais. de l'abyssal sur elle. Ouais, mais là, le Mais. problème, c'est que c'est le seul AP de la Attention. team. Du coup, peut-être un bâton du vide aurait été plus rentable. Je sais pas. Attention. Ah, oh, attention, Thresh qui se fait attraper comme ça gratuitement. Mais Thresh, Oh, qu'est-ce que le tu foutais Thresh là? sauvage dans les hautes herbes qui s'est fait Afromo. complètement défoncer. Afromo qui est un petit peu déçu le support là des CLG qui est un peu perdu dans la jungle et qui s'est fait prendre un peu hors de position et le rouge avec un peu contesté double Et lift qui voudrait double hein. lift Oh, pour Shuster qui se fait spammer. Oh attraper. là Oh là. là là, mais c'est gratuit tout ça là, c'est pas très bon. Oh là là, quelques erreurs là. Il y a du déchet dans le jeu CLG là. Ouais. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage, il y a quelques déchets dans le gameplay, mais ah là là, 7-1, c'est quand même dur, c'est quand même très dur pour l'équipe américaine, sachant qu'en plus, les CLG sont, enfin, sur le papier, sont vraiment au-dessus de Vulkun, quoi. Enfin, c'est une équipe qui a plus Oui, c'est d'expérience, clair. Si on regarde la saison qui s'est Oh, déroulée sur attention, les 10 Lingage! journées. Oh, Lingage de toi, l'engage GG! toxique, mais Tu t'es as tout GG seul. qui en. Eh les gars, j'y vais! Ah, mais t'es tout seul en fait! Attention, double lift qui Oh, commence à faire le DPS qui se fait tirer. Oh! Orianna qui touche le Double lift qui Joker. s'est Ouais. fait dépop totalement par Diana! Oh, c'était ultra violent! X-Mythe qui est toujours vivant! Qui est toujours vivant! Ah, Il y c'est en a dur! trois qui sont en train Afromo. de crever lentement côté Afromo. Vulkun. Afromo qui essaye de s'enfuir! Ah, ça va, Ah, c'est ça fini! touche, il va Ah, mourir. c'est dur, c'est dur! Et Shuster qui a faim! Ouais. Shuster qui a faim, mais est-ce qu'il peut le faire? Mais ça m'étonnerait. Mais oui, il est fou. Mais il est complètement fou de foncer comme ça. Ouais. Mais j'ai Je ne juste pas compris. comprends pas ce que nous font les CLG Ah, là. il s'en est sorti, mais d'où il s'en est sorti? Enfin, il a eu vraiment de la chance, quoi. Là, Ah, Shuster mais là, qui est allié. y a surtout l'engage de Hotshot, Malphite, de ouais. Hotshot Gigi qui a foncé tout seul dans le C'est tas. ça, ils étaient trop loin, ils étaient hors de position. Derrière, il a essayé de se barrer, mais il s'est pris des attaques tranquilles. L'ulti Orianna qui a touché que deux personnes et qui a fait des dommages, mais ridicules. Ouais, Ouais, Hotshot ok. GG, j'ai pas compris son move là. On a eu. Enfin, j'ai deux moves que j'ai pas bien compris là. D'une part, Hotshot GG qui se fonce alors que personne n'est avec lui. Et derrière, Bah, tu vois, Shuster Gigi, qui il a dû se retourne. dire, putain, pour une fois que j'ai mon ulti, je vais essayer de l'utiliser. Ils ont l'air paquet. C'est Je vais ça, ouais. voir ce que ça donne. Et puis en fait, bah, déçu, il aurait mieux fait de l'utiliser pour se barrer. Ouais, parce qu'au Parce que final, il a ça marche pris. vachement mieux comme ça, quoi. Ça marche mieux. C'est que. Ça marche beaucoup mieux, quoi. Ça marche beaucoup mieux quoi. Donc ouais clairement Hotshot GG qui me déçoit un peu. Je kiffe bien ce top pourtant Bah mais là, qui a là fait une action qui était vraiment pourrie, quoi. ouais. Du Enfin coup, bon les ça arrive. Vulkun qui se dirigent vers Nashor. Hein. Ouais Nashor qui est Oh, tenté. double lift qui est à l'autre bout de la map, ils Ah pourront pas c'est le dur. défendre. C'est dur. Oh la Zuna qui fait un dégât mais le dégât sur le Nashor c'est impressionnant. Attention Hotshot GG qui se fait Oh, engage là par Diana Diana. qui fait Diana tellement qui mal ouais, aussi. Diana qui est super bien là. 6-0, elle fait. 6-0. Ah, mais c'est clairement sur le dernier teamfight où elle a brillé là. Elle a vraiment vraiment pris. Ouais, Je crois qu'elle a pris 2-3 clairement. kills. Peut-être 3 kills, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle a vraiment décollé depuis ce dernier teamfight là qui l'a mis clairement Ouais. bien dans la game.
Et puis là, il y a Nashor qui est pris pour les Oh là là Vulcans. là, la Bien double lift qui se fait joué. tellement défoncer. Oh là là. Oh, Qui a pris. Oh mon Dieu. better nerf Irelia. Oh là là. Oh god. Oh là là, attention, l'Andias Dix mythique un peu chaud là. Oh, tout le monde se pas de joli ulti de. Oh, Oh, joli combo wombo. voilà. Oh, shot GG Bon Orianna. combo, bon qui Mais fait ça zéro suffit pas, dommage. ça suffit pas, c'est dommage. Shot shot. Enfin, ils sont bien là. Ils ont plus qu'à chase là, faut y aller. Faut y aller. Xmithie là qui. Irelia qui arrive Oh, en ça bat. Ah, renfort, attention, qui arrive ça là réengage. aussi. Ah, c'est Ça va être difficile. un Hotshot carnage. GG qui flash out. Diana qui est dans le tas et qui fait les dégâts. Oh là là, Thresh qui Oh, tombe. qui Hotshot arrive. GG qui va tomber aussi peut-être. Ah! Ah, c'est Le dur. Yordle volant qui arrive pas à Oh là là finir là le là. caillou. Hotshot GG qui Ah, s'est c'est vraiment dommage. chié dessus. Il s'est un peu chié dessus. C'était un peu Ah dur. ouais, là. Ah, oh, mais alors là, c'est dommage. Vraiment, je suis déçu pour les CLG sur Steamfight parce qu'ils ont fait un super engage. Le combo wombo là qui a été Ouais. claqué avec Orianna et Malphite. Mais derrière, ça Mais suit il y a pas. clairement pas, c'est dommage. C'est Le ça. combo qui est passé sur Tristana, donc le carry AD qui est censé être un peu en carton, Ouais. ils l'ont à peine mis mid-life, quoi. Ouais, clairement. Il y a juste Ouais. Sona qui était low life, mais ça suffisait pas. Et Enfin. là, il y a un trop gros retard côté CLG. Ouais. Ça va être quoi? Quatrième Drake pour les Vulcans, Voilà. quatrième ou cinquième? 11 Quatrième, Kagold. je crois. 11 Kagold Là, d'écart. c'est. 11 Kagold. Ah, c'est Bon. triste. C'est triste de voir des écarts comme ça à un tel niveau. Et CLG qui doivent être en train de réfléchir. Alors, il y a qui en équipe challenger? Qui c'est qu'on va se taper? Et là, t'as Coupidon, Pidoum. Outshot qui a fait au manager. Tu peux regarder les équipes challengers, s'il te plaît? Tu nous fais un Je rapport regarde à la s'ils fin de font la du game? ladder en ce moment. On va regarder leur stream après, histoire de se préparer un peu. Parce que là, on est en train de se faire stomp, quoi. 12-1, 6 tours à 2. Clairement, s'ils veulent des leçons, il vaut mieux qu'ils regardent les LCSEU. Hein. Enfin, bon. Ah ouais, clairement. Petite Mais dose d'ailleurs, de chauvinisme. hier, on a regardé un peu L'Open Down, Ena? les promotions Oh là ENA. là, Et je ouais. sais pas si t'as vu, mais ça joue quand même un peu plus façon européenne. Hein. Enfin, Ouais. deuxième BO3. Ouais, oui, merci, parce que le Il y a premier déjà. BO3. Oui, bon, le premier BO3, c'était juste un stomp monumental, la vache! Les deux games qui se mais finissent en genre, 20 minutes. ça Hein. joue plus avec les wards. On a enfin vu du Z en ENA, quoi. Ouais, j'avoue, le Les Z qui mecs ont est. enfin Non, mais compris que c'était fort. si Z est joué par Skara en ENA. Skara joue beaucoup Z, il a un Ouais, Z enfin, très il a solide. sorti trois games sur toute la saison, quoi. Non, 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 je l'ai vu quand même quelques fois jouer Z et bon, il sort quand même Z, c'est juste qu'il sort moins que d'habitude. Enfin, c'est. Mais bon, c'est comme ça, c'est niveau Enfin, ENA, c'est différent. en Europe, c'est soit il est ban, soit il est pick, quoi. C'est Ouais, tout. c'est Il ça. y a pas de choix. Mais Z, c'est fort, hein. C'est ça, quoi. Bah, Z, c'est très très fort. C'est peut-être trop fort. C'est peut-être trop fort. Ouais, je sais Enfin, c'est pas. du tout ou rien, ce perso. C'est vraiment, soit tu atomises C'est totalement sûr. la cible, soit tu fais juste zéro dégâts, quoi. Donc bon. Et les Vulcans. Qui 11 vont prendre une Kagold. septième tour. 11 Bon. Kagold, presque, dès qu'il 12K, je sais pas. C'est ultra violent. 11K6 Est-ce que gold. les CG vont surrend? Est-ce que c'est. Non, je pense pas. Je pense pas. Enfin, c'est pas Bah, cool. Quoique, là les honnêtement, il n'y a plus rien à faire. quand on Hein. regarde, les TSM avaient surrend contre les GGU sur la deuxième game de la finale. Donc c'est possible, hein. Ouais. Possible à ce level qu'on voit du surrend. Ouais, clairement. Mais enfin, oui, c'est clair que là, ils sont tellement au fond que pour revenir. Enfin, là, il y Enfin. a. La Irelia, elle est tellement increvable Regarde, maintenant. regarde! L'âme du roi déchu Hotshot revient. qui bouge pas, il s'en fout! Hotshot, bon, Ouais, mais qui tanque, il bouclier tombe bien. Orianna plus son bouclier, Bah, il a surtout le il a pris zéro, Frozen. quoi. Il a le Frozen Heart, le cœur gelé, donc clairement. L'ami Hotshot qui va bien tanker la Zuna. Pas de soucis là-dessus. Il a plutôt à craindre la Diana, hein, parce qu'il a vraiment zéro Magic Resist, donc la Diana Ouais, va le et dépop à une Diana est vitesse folle. super bien. Là, elle va partir sur Rabadon, donc Ouais, pas mal. Pas ça va mal lui dans sa faire game. d'énormes dommages. C'est marrant parce que la Diana elle revient vraiment d'entre les morts. Hein. Elle est partie avec la game avec 4 creeps C'est ça. face à. Enfin, elle se faisait complètement deny. Et voilà, elle a réussi un petit peu à farm. Elle a fait profil bas. Et dès le Bah, mid-game, les elle a commencé à briller. Vulcans sont vraiment concentrés sur Orianna parce qu'ils savaient que le Twitch allait se faire dépop en 2 secondes et que c'était pas le problème majeur. Le problème majeur, c'était vraiment ce combo d'ulti Malphite-Orianna. Mais Malphite, ça part rarement AP quand même. Donc c'était vraiment sur Orianna qu'ils sont concentrés. Ils ont réussi à la deny tout le long de la game. Alors que les CLG ont laissé Diana totalement free de farm. À partir du moment où la première tour est tombée au mid, Diana est revenue et elle a farmé comme elle voulait.
Et on voit, bah, elle fait clairement la différence comparée à Oriana, quoi. Elle est dans 10 kills sur 12, alors qu'Oriana, elle a une assist. Attends, je Bon, sur rêve. le kill CLG, forcément. Je rêve où je viens de voir Double Lift claquer une purge alors qu'il y avait Thresh à côté de lui et qu'il était sous une tour. Oh, attention, l'engage là! Ximity qui a engagé Link qui peut pas vraiment faire du dégât. L'ulti de Ximity qui est claqué. Chaucer qui commence à prendre un peu cher et oh là là, c'est difficile. Mancloud qui est en Zhonya et un kill qui est pris par Ouh, le Thresh, petit prêtre joli. qui se Mancloud retourne. qui se fait tuer. Attention, 3 kills pris par CLG, pas mal du tout. Oh, Est-ce le que. trop des Vulkus Ah qui là là sont là, ouais. empalés sous la tour. Ils ont engagé un peu n'importe comment, hein, j'ai pas trop compris. Bloodwazard qui tombe, 4 kills pris Voilà, par ça fait CLG. 4 kills pour 0. Serait-ce possible de voir un retour de folie? Non. Heureusement, il n'y a pas Ouais, de Nashor de up, parce que là là, il serait ça très aurait mal. été. Ils se seraient bien remis dans la game, mais bon. Bah Là, il y a CLG, quand même. là c'est plutôt un sursaut d'honneur qui revient en mode oh, quand même les gars, on C'est est ça. CLG, vous nous respectez un peu s'il vous plaît. On terminera pas avec un seul kill, les Ouais, mecs. Ça, c'est ah mort. ouais, j'ai sorry qu'ils étaient à un seul kill, c'est dur. Il y avait C'est dur. 12-1. Bon. Ouais. 12-1, boom. 12-5, tu relèves un peu la tête, quoi. C'est ça, on est là en fait. Bon. Après, les mecs ont dû se dire, ah ouais, en fait, Irelia n'était pas là. C'est pour ça que Oui, l'ami Twitch faisait ce qu'il voulait. Irelia était en speed push au top contre. Mais en fait, Double Lift et Thresh la repoussaient. Et ils ont vite back en fait sur le teamfight, ce qui fait qu'ils ont pu aider. Ils ont décalé sur le teamfight alors qu'Irelia a continué à push et elle a chopé une tour mid quand même, je crois. Bon, bon. C'est toujours ça de pris. Bah elle était devant la tour top et elle avait pas c'est clair qu'elle a manqué dans ce teamfight et ouais bah bien pour le CLG qui au final arrive à reprendre du kill comme ça malgré le retard et le Nashor qui est Ouais. entamé pour Vulkun Nashor qui va clairement pas être contesté ça va être impossible de contester Et ça ouais, pour les vaut mieux CLG pas le tenter. bah surtout ils sont occupés enfin leur base est push ils ont perdu un inhibiteur ils sont vraiment à poil donc là c'est pas le moment. Ils font le bleu. Enfin, là, c'est journée Mais. portes ouvertes dans la jungle des CLG. On visite, Ah on bah prend là, ce les qu'on veut. CLG n'ont plus du tout de jungle, ils Ouais. ont plus de base déjà, il n'y a plus aucune tour extérieure. Ils sont planqués derrière leur rempart en attendant l'ennemi qui arrive, quoi. Je kiffe voir une Irelia farm. C'est. Tu la Ouais. vois faire des jumps Elle de doit avoir un peu partout. mal à la tête quand même au bout d'un C'est ça, moment, ça quoi. fait cartoon un peu. On dirait un manga à moitié. Genre, c'est Naruto, c'est genre. C'est ça. Kakabunchi! C'est bon, c'est assez marrant. Et les Vulkun qui, au final, bah, vont continuer de push comme des gros sagouins les lanes pour enfoncer le Ouais. couteau et faire le final push. Alors Bah là, là, cette ils ont fois-ci, Nashor, ils ouais. pourraient tenter un fight au mid vu qu'il n'y a plus de tour. Donc, clairement, Mais complètement. enfin, je sais pas ce qu'ils font. Non, là, ils hésitent un petit peu, ils ont pas non plus envie de s'empaler comme la dernière fois. Là, tout de suite, on les sent un petit peu méfiants, là, un peu plus qu'au dernier teamfight. Ils s'en fait un peu retourner, donc forcément, ça se comprend. Et l'inhib qui commence à être Ouais. DPS par Zuna. Et Et non, c'est Zuna niveau défendu. 18 qui est max range, donc je crois au niveau 18 c'est la Dekarry qui a le plus de range, y a pas plus que Caitlyn? Caitlyn. Ah, plus que Caitlyn, Non, d'accord. plus que Caitlyn C'est en justement au début de niveau game 18. que Caitlyn a plus de range que Oui. Tristana. Ouais, ok. Oui, Tristana fait partie des carry AD qui a le moins de range En au début. niveau 1, Ouais. mais avec son passif elle augmente sa range à chaque niveau, donc forcément ça monte rapidement. Exactement. Et la tour top là qui a l'air d'être pourquoi pas push là côté Vulkun. Vulkun qui cherche une ouverture. La tour qui est midlife mine de rien. C'est Irelia tout à l'heure qui est la DPS et qui l'a bien baissé. Enfin, ça dépush bien côté CLG Ça avec le dépoche bien. Twitch et la boule Ah d'Orianna. bah oui, la boule d'Orianna ça Donc là-dessus, il dépoche. n'y a pas trop de problème. Il y en a qui va se remettre au speed push, attention à pas refaire la même erreur que tout à l'heure peut-être. Ça retourne bot, ça reprend la même configuration qu'au dernier teamfight qui a été trop là Ça. par les Vulkun. Oh le petit jump là. Tristana, Elle ouais, a qui a mis trois coups à la tour. senti poindre un peu la quenelle du Malphite et de l'ulti Malphite. C'est ça. Mais elle s'est Elle l'a dit. vu arriver à vitesse grand V, elle s'est dit bon. Ouais. Je vais peut-être me barrer quand même, C'est parce que ce ça. serait con de se roll la game comme ça. Ce serait un peu con, clairement, parce que Zuna, c'est vraiment le main DPS AD, et c'est Diana, le main DPS AP. Donc si vous perdez Zuna, vous êtes un peu déçu en teamfight. Ouais. Bah, là, la game qui se gèle un peu. C'est ouais.
Ça se regarde. C'est un Les peu. Vulcans qui osent pas engager sous la tour, on a vu ce que ça a donné tout à l'heure, ils ont complètement fail le team fight. Bah, y a beaucoup de contrôle, hein. Beaucoup de contrôle Ouais. côté CLG, la tour qui Mais du DPS, coup, c'est c'est dur. bien ce qu'ils font là. Ils mettent la pression à 3 au bot. Et à côté, ben, il y a Twitch et Thresh qui essayent de dépush, mais Twitch et Thresh, que ce soit contre Diana ou Irelia, ils se font ouvrir en deux. Du coup, ben, Oh, attention, les dégâts les que... Oh! Vulcans qui sont sûrs d'avancer. Les dégâts que Shoster a mangés à l'instant! Oh mon dieu! Ah, Et ben, un pourtant il a de petit l'armure! crit de Tristana, Hein. ça Et fait mal. pourtant il a de l'armure, hein, le cochon! Oh là là, attention, la tour qui va être prise! L'engage de Hotshot GG qui fait rien du tout! Oh, qui Hotshot touche le GG qui engage Junor! tout seul! Mais pourquoi il engage tout seul? Ça sert à Encore, rien! quoi. Ça sert à rien ce qu'il vient de faire! On dirait de la solo queue là! Hotshot C'est GG, ça. get your shit together, man! Et fais-nous du bon ulti parce que là c'est nain! C'est vraiment ça, c'est vraiment un esprit de solo queue. Il n'y a aucune communication côté CLG. Ah, aucune, t'es un peu raide quand même. Mais attention là, Double Ah Leaf qui prend bah, les. excuse-moi, tu as Gigi qui saute tout seul dans le tas, il y a zéro communication là. Ouais, ou mauvaise communication au moins. Attention les dégâts qui sont pris sur Shuster. Hotshot GG qui va peut-être tomber. Diana qui prend le kill. Shuster et Hotshot GG qui sont tombés très rapidement là. Double Leaf qui est en fufu en mode personne ne me voit, je suis une fougère. Personne ne me voit. Et la tour top qui va être terminée. Van Cloud et ses potes de Vulcan qui vont prendre ça. Et Tous les inhibs sont down. Voilà, c'est fini là. bah là c'est perdu quoi. C'est un peu perdu depuis un moment déjà pour CLG, mais là clairement Et ça là veut on a dire. confirmation, le retour des CLG, ben à part une déco, je vois pas comment ils peuvent revenir. Ouais, s'il y a une déco, de toute façon, il pose la game. Oui, bah de toute façon la game Et est arrêtée, attention, le mais grab, tant qu'elle Xmithie qui sonne, y engage a un petit peu, rien. Double Leaf qui se fait back. Double Leaf, néanmoins, qui fait beaucoup de dégâts. Hein. Là-dessus, il est bien. Hein. Il est pas trop mal dans sa game, beaucoup de farm. Et voilà, le Nexus qui va commencer à être DPS. Et la 13 qui Oh là, les tombe. dégâts de Tiana. Link qui va se faire défoncer. Voilà, les Vulcans qui. Et voilà. Magistral. Une win plutôt vénère. Plutôt, Ouais. plutôt, Ça a plutôt. très bien joué des Vulcans. Qui ont vraiment, à mon avis, ils ont gagné sur les lanes. Ils ont clairement réussi à deny Orianna. Et c'est ce qui a mis mal les CLG. Derrière, il y avait 0 DPS. Le Twitch, il se faisait engage par Irelia, par Diana. Il pouvait juste rien faire. Il se faisait ouvrir en deux. Oh, Elle a, très bien joué de la part des Vulcans. là, on voit le visage des CLG, ils sont. Ouais. Waouh, là, Bah, ils ils sont un sont. peu au fond, quoi. Là, bah, tu les vois. Enfin, Hotshot GG, dans sa tête, il doit se dire, mais. La vache, ça veut dire que la semaine prochaine. Parce que là, c'est une game qui a eu lieu, on le rappelle, pour ceux qui viennent de La nous semaine rejoindre, dernière, ouais. c'est une game qui a eu lieu, voilà, il y a un peu plus de la semaine dernière. C'était sur les playoffs, donc c'était les phases finales. Donc là, c'était le quart de finale. Et ce qui fait que CLG se fait jeter par Vulcan, qui était une team complètement en dessous. C'était la troisième game, hein, du BO3. Bah, CLG qui devra faire les matchs de promotion et donc sauver sa peau dans les C'est ça. LCSNA. Bon, je me fais pas trop de soucis pour eux, ils ont quand même fini quatrième, donc c'est pas l'équipe la plus mauvaise non plus. Ouais. Donc je pense qu'ils garderont leur place quand même après, à voir le niveau des challengers. À voir clairement. D'ailleurs, ça Il se y a joue ce Quantique. soir. Il y a Quantique que j'ai vu performer hier. Quantique, la team Enfin, Quantique qui Quantique, est. c'est eux qui ont stompé l'équipe Ouais. qui était mauvaise. Ils ont stomp l'équipe qui était mauvaise, mais Bien sûr que ce soir, ils vraiment. sont arrivés via les IPL, je crois, à la MLG Dallas, ils se sont qualifiés, il me semble, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et Quantique, Dyrus se le disait d'ailleurs, hein, après, Quantique sont clairement à craindre dans ces nouveaux prétendants au trône de LCS, parce que c'est une équipe qui a quand même du potentiel au niveau américain, j'entends bien. J'entends Ouais. bien, voilà. Ok, les gens, eh bien. Voilà, ça le fait pour cette première game entre CLG et Vulcoon. Nous, on va faire une petite page de publicité et on se retrouve juste après pour la suite. Pour la suite. Dignitas GGU, première game du BO3, carte finale. C'est ça. C'est ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre cast. On le répète, on s'est mis au cast il y a quelques semaines. Donc, on est encore dans nos débuts. Hein, donc, on n'est pas parfait, loin de là. On se Mais. rôde. On se rôde, on essaye de s'améliorer, donc tout commentaire est le bienvenu, qu'il soit positif ou négatif, surtout négatif parce que ça nous permet de nous améliorer et un peu de changer les choses. Donc voilà, j'ai link la petite page Facebook si vous voulez nous mettre des commentaires, des choses comme ça. On lit le chat aussi. Donc voilà, à tout de suite, page de pub. Ok, on est de retour. On est de retour. Est-ce que son sushi, tu es toujours là?
Je suis toujours là, oui. Et donc voilà, c'est parfait, et du coup, on est reparti pour, eh bien pour la suite de cette émission spéciale LCSNA Playoff, hein. On rappelle qu'on ne fait pas les up and down, tout simplement pour souci technique, parce que c'est assez compliqué de stream en fait, de restream les LCS en live. Enfin, vous le voyez bien, quand vous suivez les LCS en live sur Gaming, il y a souvent beaucoup de freeze, il y a des bugs, il y a des choses comme ça, il y a des temps d'attente. Donc, étant donné qu'on fait pas ça depuis les locaux, j'ai clairement pas la Oui. connexion pour restreamer un stream. Du coup, on fait ça en différé. Donc voilà, Bah les up and déjà, et down. puis en plus, ça commence à 20h, ça termine à 5h du matin, donc Voilà. C'est un peu dur. bon, voilà, c'est pas vraiment C'est un petit peu les dur. horaires pour quoi. C'est ça. Donc là, les up and down, on va vous encaster les deux meilleurs games la semaine prochaine. Et voilà. Voilà. Oui. On va jump dans la game tout de suite, sans souci. Est-ce que tu es ready? Je suis ready. Allez, 3, 2, 1, go! C'est parti pour la suite. Donc, on est avec quelles équipes ici, mon cher Sansou? Donc là, on est Dignitas GGU, donc Dignitas grosse écurie américaine, qui ont terminé troisième des LCS, je crois, Avant les playoffs, ouais. avant les playoffs. Ils étaient Et très bien. GGU, qui est un peu l'outsider, d'ailleurs, on voit le. Oh la vache. Les pronostics 15% pour GGU, donc ils partent clairement pas favoris. Ils ont fini sixième, je crois. Oui, ils étaient clairement pas super bien. Ils sont un peu remontés à la fin de CLCS, Ouais. mais les débuts ont été très compliqués pour GGU. Ils ont C'est fait ça. des perfs très vraiment en Ils ont un peu demi-teinte. le même parcours que les Copenhagen C'est Wolves, ça. où un début de LCS très très compliqué, et par la suite, ils ont réussi à remonter. C'est exactement ça. Et c'est pour ça, en tout cas, moi, je kiffe les GGU. C'est un peu les mecs qui ils viennent ils viennent du bidonville et puis ils sont arrivés dans la city stylée. C'est les mecs qui vont ils startent de vraiment rien que dalle et ils arrivent à faire de la belle perf. C'est ça. Donc c'est assez stylé à voir. Donc on va voir cette game. Donc celle-ci, il s'agit de la première game du BO3 entre Dignitas et GGU. Ouais. Et Dignitas, assez confiant, ils ont le sourire. C'est ça. C'est ça, Les donc GGU un peu plus concentrés, je pense. On a des pics, enfin on a des bans surtout un peu bizarres. Ouais, Gragas ban, très bien. Caitlyn, Gragas. Thresh, c'est normal. Jayce, c'est Ouais. normal. Shen et Diana, Ouais. c'est normal. C'est surtout Caitlyn et Gragas, ouais, que je trouve assez louche. Bah, Assez louche. Thresh encore, le ban n'est pas obligé non plus. Ouais. Après, si le support en face est vraiment super performant avec Thresh, on voit par exemple contre les AA, vaut mieux ban le Thresh parce que Dude il fait un travail Ou monstre avec. Edouard, des Gambits. Ou Edward aussi pour les contre les Gambits. C'est ça. Et le TF qui est pris côté Dignitas Et par TF qui est pas Skara. ban, donc First first pick pick. aussi. Ah bah oui, TF c'est Ouais. le game breaker. Le monsieur, le gitan qui gank un peu où il veut. Donc C'est c'est ça. vraiment un bon personnage. Et très très souvent pick mid. Et côté GGU, on a une Elise. Une saloperie d'araignée que toi tu kiffes, il me semble. C'est ça, j'adore ça, ouais. T'adores ça l'araignée. Et Ezreal. Ezreal qui est pique. Et Poppy! Pop! Non, 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 c'est du troll, c'est du troll. Poppy! Arrête, ouais, il meurt Oh. Dinga. Là, tu vois, il te prend les persos les plus pourris, tu vois. Mais trop pas, Poppy, c'est trop fort, mec. Poppy, j'avoue, ça aurait été. Franchement, le mec, il a des balls. Hein. Il sort Poppy en match de pro, ce serait énorme. Ce serait vraiment énorme. Et un Bah. Blitzcrank. Ouh, Blitzcrank qui est pris Blitzcrank avec Ez, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas du gros dégât de la lane très offensive et Et Karthus. Karthus, ouais, alors Ouais. ça, un classique ONA, pareil, on le voit quasiment tout le temps. Ouais. MyCutiePie qui essayait un peu de troll là en prenant Emerdinga. Là on le voit MyCutiePie. MyCutiePie qui a un look très spécial mais qui est très marrant. J'ai regardé un peu il est très Un fun. chouchet un peu. C'est un peu un chouchet, ouais, c'est un chouchet 2. Le mec, ouais, tu vois là, il a un Et look spécial et voilà. Il est drôle. Zac qui est pique aussi. Et Donc ouais. Zac qu'on a beaucoup vu pendant les playoffs. EU aussi, surtout. EU. Donc est-ce que ça va avoir la même efficacité
joué par les Américains, on va voir, et Lee Sin. Ouais, Lee Sin, alors là, je suis assez étonné parce que Lee Sin, un personnage qui a subi beaucoup de nerfs, mine de rien, Ouais. pique. On va voir ce qu'il va donner. Donc, on va le. Bah, Lee Sin qui est encore viable en En solo top. queue, mais alors en. Enfin, en pre-made, Ouais, on je va le suis voir au pas top. convaincu, On va le quoi. voir au top, je pense, là, avec un Zac qui va très certainement être dans la jungle. Et Non, moi un. je vois plus Zac en top, hein. Non, c'est. Zac, ça a vraiment une force d'engage énorme et Ouais, en c'est clair que ça jungle. gank très très fort, mais ça prend beaucoup de retard en jungle. Ah voilà, on va Bon, voir. apparemment il sera jungle. Ouais, Et il on a sera une jungle. Riven last pick côté GGU. Ouais, Riven last Donc pick. ça. Zion Spartan qui gère très très bien la Riven, d'ailleurs. Ouais. On l'avait vu D'ailleurs, je crois jouer. qu'il a été loin dans le tournoi Best Riven ENA. Ah oui, il me semblait avoir vu ça. Je crois qu'il avait fait Ouais. une bonne perf. Donc un joueur qui aime beaucoup Riven, apparemment, on l'avait déjà vu On le jouer voit. Riven, il est massacré. C'est vrai Trop qu'il joue fort. bien. Il joue très très bien, Riven. Un Draven, j'aime beaucoup. Welcome to the League of Draven. Ça va être sympa. Franchement, ce personnage me rend ouf en début de game. Et on va voir justement ce qu'il va réussir à faire. C'est clair que Mais niveau 1, il c'est peut te juste. mettre des gros gros dégâts quoi. C'est ça, c'est un des plus vénères niveau C'est un DPS. peu à la Gangplank Old School où t'avais les Oui. random maîtrises avec le critique et le Ouais. mec il arrive, pouf, il te met un coup de Aïe. péteux à un critique à 300. Tout va Ah bien. bon? Bon bah je back, hein, parce que de toute façon j'ai pas le choix. Bon, très bien. Au revoir, cordialement. Amuse-toi sur ta lane. C'est ça, c'est complètement ça. Et la game qui va commencer, donc des compos d'équipe. Alors on n'a pas vraiment encore analysé en teamfight qu'est-ce que ça va donner. On va un peu revoir les compos quand les deux équipes seront in-game. Mais Dignitas là qui part clairement confiant. Ils sont bien. Ils n'ont aucune raison de perdre cette game Bah, sur le les papier. Dignitas qui sont largement favoris, Ils sont on bien l'a sur le vu avec le papier. vote du public, Ouais, ça 85%. devrait être un stomp, mais faut se méfier des GGU qui ont fait GGU, une ouais. très belle remontée quand même. C'est clairement, clairement. À Et ne pas sous-estimer. alors, on va voir un peu le niveau des compos d'équipe. Alors, côté GGU. Ok, alors Riven, un bon bruiseur qui va bien prendre le dégât, faire un petit peu de contrôle. Elise qui va faire du. Ah, Bah, Elise Elise en jungle qui. d'ailleurs. On la voit Ouais. surtout en top, en EU. Mais là, Elise en Oui. jungle, à voir. Ça reste très fort aussi. Hein. Ça a pas de problème pour jungle. Par contre, il est parti avec des Masteries Utility, vu qu'on voit qu'il a le biscuit. Ouais. Intéressant à voir. Ouais. Et J'ai vu hier un Hecarim aussi qui était parti avec la Ward et le biscuit. ah ouais, d'accord. Ouais. Donc il y avait beaucoup de points en utilitaire. Mais Bon. clairement, et Karim, ça se joue en jungle, ça peut se jouer 0-9-21. Ça peut se jouer 0-9-21, Ouais, alors après, ça je suis dépend où pas tu mets tes fan. masteries. Bah, moi perso, je joue comme ça en jungle. Bon, après, en ce moment, je joue pas vraiment comme tout le monde le joue, mais bon, ça peut être joué en 0-9-21. Enfin bref, on s'en fout, il n'y a pas de Karim dans cette game. On va revenir un peu au compo d'équipe. Donc, je dirais Dignitas en teamfight qui ont vraiment de bons arguments avec le Let's Bounce de Zac qui va faire le Ouais. contrôle, l'ulti de Sona, l'ulti de Lee Sin, tous ces ultis de zone qui peuvent faire pas mal de dégâts en teamfight. Donc. Mais ça Bah là, il y a s'équilibre. clairement de quoi protéger le Draven pour qu'il fasse le dégât. Oh, Zion Spartan Attention, qui agresse direct Kiwikid. ça suffira pas clairement. Là, c'est juste un petit trade. Kiwikid qui est bien et qui est top. Ok, donc Et tu avais raison. là. Tu avais raison. Ouais. Zac est top et Lee Sin est jungle. Alors, c'est ça qui est un peu relou, c'est que des fois ils nous montrent les écrans de personnages avant. Ils les coupent avant le chargement. Et là, du coup, il y a eu un C'est changement. Donc ça. ça va être Lee Sin jungle et Zac top. Alors perso, je suis plus fan de Zac jungle. Donc on va voir ce qui va se Bah, passer. c'est clair que ça fait des ganks très forts, mais ça prend tellement de retard en jungle. Zac a besoin de se tank très rapidement pour pouvoir vraiment aller au milieu des teamfights
et faire le taf, quoi, tout simplement. Et s'il joue jungle, il n'a pas assez de farm, il n'a pas assez de thunes pour faire les bons items. Donc, Et Skara qui va passer une game de parano là, parce qu'il y a eu un swap lane. On a eu un swap lane avec Ezreal et Blitzcrank qui sont au mid. Et du coup, Karthus qui se retrouve en 1v2 au bot contre Draven et Sona. Donc, Karthus, je m'inquiète pas trop pour son farm. Mais par contre, TF, avant un moment, il va avoir un peu de mal à farm. Ouais, clairement. Mais bon, Skara, il va pouvoir farmer aussi avec ses tricards. Il a sa carte bleue pour pouvoir se régénérer en mana, Sa donc ça va carte être. Oh, bleue. les dégâts! Ah là 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 Oh, il lui a mis une hache rotative, là. Ouais. Ah bah glacier d'équerre, entre les côtes du Karthus. Oh, ça lui a mis tellement ça cher, lui a quoi. dépop une côte, ouais, clairement. Attention, le gang de Elise Oh, là, le joli gang dodge de du l'Intel stun. du deck! Ah mec, tu dis Non. pas qu'il a très très bien juke là, le cocon de Elise qui aurait pu un peu sceller son destin dans ce début de game. Et Sion Spartan qui met tellement cher et Ah ouais. Zac, il lui met déjà 10 creeps. Ah mais c'est 10 Zac creeps en en. 4 minutes, c'est chaud quand même. Et Hein. Zac en début de game, c'est. Enfin, c'est de la gelée, hein. Je crois qu'on peut Ouais, le dire, c'est flubber, mais c'est ça de la farme quand même gelée. bien. Ça a du bon dégât de zone quand même. Donc ça peut dépush rapidement. Mais Mais niveau du enfin, trade en Sion fait, c'est Spartan qui niveau du push trade. tellement quoi. Ouais, mais niveau du trade contre la Riven, il est clairement pas gagnant en fait. Ah oui, pour le moment, il peut rien faire. C'est ça. Après, il fera pas assez de dégâts pour Et prendre des trades alors contre Yone aussi, je pense. c'est intéressant parce qu'on a Sona qui depuis tout à l'heure est un peu en train d'aider tout le monde sauf Draven. Donc Draven depuis un peu le début de la game est laissé seul au bot. Ça lui permet de farmer et de prendre du niveau très vite. Donc on a les Dignitas qui vont s'orienter C'est vers ça. un mec Cutiepie qui va être bien en début de game et qui va être assez vénère. Donc clairement on va pas falloir faire les fous à sous-estimer le bonhomme au niveau du level et du farm. Donc on va voir ce qui va se passer. C'est Donc clair. Sona l'a rejoint. Donc il a juste pris un petit peu de level en avance. Mais là ça va se stabiliser avec la botlane mid. Et Ouais, la Kiwi. game qui est plutôt bien équilibrée pour le moment. Il n'y a pas de gros écarts. Au top, il y a KiwiKit qui a repris du farm vu que Riven est back. Au mid, c'est sensiblement pareil. Les carry AD, c'est exactement pareil. Donc ouais, pour le moment, pas Pas mal. d'avantage pris d'un côté ou de l'autre. C'est un début de game assez propre pour le moment. C'est ça. Et Jintae qui, on le voit là, hein, ça farme quand même super bien sous tour. Et on Alors voit évidemment, je le dis. l'intel du Dex qui reste vachement au bot. Au moment où je Parce que dis. le tree dive à 3 minutes, on le connaît. Au moment où je dis ça farme super bien sous tour, Karthus, le mec, il foire tous ses lastites. Je suis ravi. Enfin bref. Crumbs qui est venu un petit peu aider Skara. Oh, ah, les atouts qui commencent à faire un petit peu mal là pour Ezreal qui prend assez cher contre le TF. Faut faire. Oh, le joli Ouais. cocon là qui a été dodge par Patoy. Patoy, j'adore son pseudo à lui. Patouille, patouille. Patoy qui joue le support des Dignitas. Un joueur efficace, assez efficace et Ouais. régulier. On le voit pas ruine, on le voit pas faire de trucs de ouf. Il se fait pas vraiment remarquer. Il fait son taf, quoi. C'est ça. Fait son. Oh, Oh, attention, le le grab de crack sur Blitzcrank. Lee Sin qui Krenz. commence à se faire DPS. Attention, là, ça pourrait être le Oh, First First Blood. Blood. First Blood qui est pris par GGU. Très très bon move là. Le joli grab hein, de Daydreamin qui a vraiment vraiment bien perf sur ce grab. Là, un petit Ouais, c'est moment clair. d'inattention de Lee Sin. Prendre un kill comme ça sur un Lee Sin, c'est pas facile parce que Lee Sin, ça a une masse d'escape. Assez, Enfin, c'est assez folle. énorme. Bah, il avait pas de Donc, ward, hein. Je crois qu'il avait pas de ward. Non, il avait pas de très ward. bien joué de la part des GGU. Ils vont peut-être tenter de push cette tour mid. Non. Tant pis. Non. GGU qui. Voilà, ils capitalisent sur leur petite. Non, ils capitalisent pas vraiment, je veux dire, sur ce First Blood, Mais ils mais ils prennent sont pas de contents. risque, quoi. Ils vont Ils prennent jouer pas de risque. safe. Ils Int. vont pas tenter le diable. Riven au top, qui mettait la sauce au début. Et puis là, maintenant, c'est compliqué, quoi. Hein. C'est compliqué. On voit le trade. Elle met pas masse de dommages. KiwiKit qui commence à faire un tout petit peu de dommages. Le bouclier de Doran qui l'aide clairement dans les duels contre Riven. Ouais, c'est. Ah, attends. Attends, il y a mon chien qui fait le bordel. Et Karthus qui commence à creuser un peu niveau farm.
Qui comment? Aïe, non, ça va. Oh, le Oh, grab de. grappe Le grab de Skara Ah, qui se ça fait suffit. complètement dépop. Attention, les dégâts. La goal. Oh, la jolie cleanse là. Mais non, ça ne suffira Ouais, pas à la Don't cleanse Mash Me. Ah instant ouais, Don't de Don't Mash Mash Me. Me qui Ah, il devient re-réflexe. impressionnante la cleanse là. On voit qu'il est asiatique. Escara qui fait un peu la gueule là. Ouais, il est un peu. Mais non, enfin, franchement, Skara, il s'en sort. Et c'est pas mal. Il a Ouf. provoqué une cleanse. Non, c'est dommage, ça passe pas. Mais ça aurait pas suffi à le kill, je pense. Hein. Je pense. Non, non. Ouais, je suis pas sûr. Non. Oh, quoique si, peut-être. Il a une BF Glaive. Ça aurait peut-être suffi. Ça aurait peut-être suffi. Ouais, il vient de l'acheter la BF. Ah, il vient de l'acheter. Très bien. Bon. Je n'avais pas vu. Je n'avais point vu. Et il a déjà back. T'es sérieux là? Non, en fait, non, il l'avait Non, il déjà. l'avait déjà, ouais. Mais l'ulti qui est que rang 1. Attention, Oh, le gank là. l'ulti! Skara qui se retrouve au milieu de Alors, tout le monde, qui a commencé à faire Nintendo des Dex, quel est le pop. bon moment? Skara Et qui a là, pris c'est la super cher. déception pour Dignitas. Oh, les bons Ah, dégâts le d'Amakusu qui paye Draven. quand même. Mais Draven, les dégâts de ce perso, c'est juste scandaleux. Attention, Krumz là qui a failli se faire un petit peu presque tuer. Et Et Zion Zion Spartan Spartan qui qui prend le kill. kill Kiwi Kid. Mais Ouais. on voit le match-up. Enfin, c'est tendu quand C'est même pour tendu en Zion effet. Spartan. Hein. Ouais, Zone Spartan qui commence un peu à avoir de mal contre le Zac. Zac qui a pris en level, qui est un peu moins engelé qu'en début de game. Bah Donc là, là. maintenant, il va se mettre bien. Ouh! Oh Lissine, Hadouken! attention quand même. Hadouken Mais qui est là, passé. Riven qui va commencer à snowball parce que Riven est l'un des persos qui snowball le plus de League of Legends. Ouais. Ah, on a un On a le replay du replay. Ah, fight du entre top. Kiwi Kid qui fait le let's bounce et qui fait un peu le dégât. Oh! Joli Oh, dodge! il avait réussi à Oh! dodge. Oh, le Oh, flashing. c'était tellement proche! Oh, c'était Ouais. tellement à deux doigts! Oh, je serais Ah, t'as vu dégoûté. quand il meurt à côté d'un mur, les blobs, ils sont à côté. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est cheaté surtout. Tu mets Ouais. du dégât de zone, tu t'en tombes deux à la fois, quoi. Ouais, j'avoue. Enfin, c'est cheaté. Après, Enfin bref. t'as pas qu'à mourir près d'un mur. Hein. Bien joué quand même de la part du top des Dignitas qui a bien tourné autour de Riven, qui a bien dodge Ah, c'est dommage les parce skills. que là, il a clairement Bah, vraiment vraiment fait tout ce sans qu'il l'ulti pouvait. Hein. Karthus, il gagnait le Ouais, c'est match-up. ça, c'est ça. Karthus Il qui gagnait le a. trade. Karthus, Et Karthus le qui. faiseur de déception, un peu. C'est un C'est peu ça. le mec qui te déçoit quand tu joues Karthus, quoi. T'es là, Bah, ah le ouais, je vais mec, m'en il est à sortir! l'autre bout de Non. la map, il appuie juste sur son R et il fait le taf, quoi. Eh, C'est. c'est un peu décevant. Lee Sin qui était en train de taper un buff invisible, Ouais, ça plutôt intéressant. c'est un bug assez commun. Et non, ça ne suffira pas pour Non, pas steal. style, Mais dommage. c'est un bug qui ressort très souvent. Hein. Le golem invisible, on le voit régulièrement dans les LCS. C'est un bug du spectateur. Attention, Kiwi qui se Zion fait engage. Spartan. Ouais, Zion Spartan qui connaît bien sa Riven. Hein. Il sait qu'il peut l'agresser là-dessus. Bah là, Jhin Tae, Zion le Spartan qui Drake. peut clairement prendre les Le trades. Drake qui va être pris et qui sait pas Ouais. du tout ward. Les Dignitas sont occupés au mid. Au Là, il y a un mid, oh, fight. l'ulti de Attention! Pactoy! Et les Il m'a dégâts d'Ayumi cutie pie, Cutie il m'a Pie qui cutie font pie complètement le qui a taf. fait l'ulti et qui a tué Ezreal sur le retour de l'ulti, donc vraiment du Ouais. dégât. Oh là là, mais Draven c'est incroyable, niveau dégâts c'est. Wow. C'est Ouais, vraiment, par contre, c'est vraiment. un peu en mousse quand même, hein. C'est Ça en se fait mousse, choper certes. très facilement. Attention là, Lee Ouh, Sin, la gold Kara! car. Lee Sin qui est stun en Ça, l'air. c'est bien joué. C'est pas mal. Lee Sin qui. Elise qui a été stun Elise. en l'air. Ouais, je me disais Lee Sin, non, j'ai dit de la merde. Elise Comment qui il a peut être en été. l'air? Ouais, le mec. Il a fait un Hadouken en l'air, le mec. Non, non, Il Elise vole. qui a été stun en l'air, donc un peu déçu, Skara, pour le coup, parce que clairement, si la toile n'avait pas été lancée si rapidement, ils auraient pu prendre le kill. Ouais. Un peu dommage. Bah, très bon réflexe de Nintendo Dex, hein, parce que c'est pas facile à faire ça. Lancer le jump au moment où la carte part de TF. Très très bon réflexe. Ouais, excellent réflexe même. Et les niveaux du gold, on en est à. L'écart qui se creuse pas vraiment. Hein. 600 PO d'écart. GGU qui est un petit peu au-dessus, mais rien de bien incroyable. Pour le moment, c'est assez tendu cette game. Et là, le problème, c'est vraiment une Cutie Pie qui est très très bien dans sa game. Il a 100 creep, 2-0, il a déjà sa BT, donc là, il va faire une dose de dommage, mais énorme. 2-0 sans creep, il est. Bah, c'est le plus Ouais. feed de la game, clairement. Ça va être compliqué de le focus, hein, parce qu'il y a vraiment de quoi le protéger, ce Draven. Entre Zac et Donc les Let's là, Bounce, entre Lee Sin et les ouais. Dragon Kick, enfin ouais, il y a vraiment. Et l'ulti de Sona, là il est bien. Là t'es à la place de Emiya Cutie Pie, t'es assez content de ta game. C'est ça. Enfin, on va voir. Parce que du côté de GGU, Ezreal est pas mal aussi. Hein. Il est pas si loin que ça en farm, il a 2 kills aussi. Il est mort 2 fois, certes, mais c'est pas trop mal. Et Riven aussi, hein. Faut se méfier de la Riven qui est quand même là.
et qui est prête la à Riven, asséner au des moins, coups. qui a que deux lames de Doran et un sceptre vampirique, donc elle fait pas la dose de dommage. Mais là, Non, au ça fait niveau un du bout de temps qu'elle farm, farm. À mon avis, ouais. elle va back avec. Elle va s'acheter une petite BF glaive. Elle vient de Du dépasser coup. Immacutipa en farm, là, Ouais. elle est vraiment pas mal. Et le rouge, justement, qui a été pris par Immacutipa, ça se dirige bot lane, là, peut-être pour un... Non, pour un switch de lane, tout simplement. Daydreamin et Don't Mash Me qui vont commencer à Oh, farm 4 bot. Dignitas au bot, ça commence à zoner autour du Drake, on voit qu'il y a du ping côté Dignitas. Pourtant, le Drake qui a été fait, là, juste avant. Attention, là, pas se faire surprendre Daydreamin qui est là dans les buissons. Les Dignitas qui ont envie de manger du GGU là, ils ont envie. Attention, Ouais, Blitzcrank qui se rapproche voilà, faut là. pas face Ah, cake. ils savent, hein, ils savent. Oh, ah, Ah, il attends, s'est j'ai cru le montré. voir. Ouais, je crois que je l'ai. Ah non, Ouais. non, c'est montré, c'est dommage. Le Hadoken qui est claqué, ça ne touche pas. C'est dommage parce que je crois qu'ils se sont montrés rapidement. Hein, et à Macutipa, je crois Ouais, je crois qu'on que... a vu un bout de pixel de lui sortir du buisson. C'est ça. L'espoir d'un court instant, mais des joueurs de ce Une Nintendo niveau-là. du Dex qui est venu en renfort, il n'est pas vu. Non, il n'est pas vu. Et il va quand même se barrer, c'est dommage, ils auraient pu faire un counterbank. On sent là, ils Après, il voit communiquent. pas le TF. Il voit pas le TF, donc ils doivent se dire que ça va être du 4 contre 3 au bot, donc ça sert à rien de prendre l'échange. Mais TF est au mid. Ouais, TF est au mid et en train de décaler. On sait pas trop ce qu'il fait, TF, depuis tout Qu'est-ce à qu'il l'heure. fait Il avec le split décale. screen là? Attention, il y a Elise qui est. Ouais, il va peut-être y avoir un 1v1 entre Elise et Team Fortress. Oui. TF veut Ok. dire Team Très Fortress. bien. Non, Twisted Ou Zion Spartan qui prend le trade au top. Non, ça Non, va. ça va, c'est du Kiwi trade Kid qui s'en mignon. sort facilement. Pas de problème là-dessus. Les deux joueurs qui ont du mal à skill quand même. Faut vraiment qu'ils commit tous les deux, qu'ils Bah. soient. Oh, attention, Kiwi Oh, Kid qui commence à prend y le avoir dégât. masse dommage. Ah Est-ce là. que. Hey, Riven a son ulti, du coup là, elle peut le tuer à mon Ah, avis. elle peut, Elle pourquoi pas le flash tuer. stun, elle claque Elle a son l'ulti. embrase en plus. Zion Spartan qui veut manger du blob. Il a faim, Et il veut de 2 minutes l'âgelé. le repop du Drake, c'est 20 ça. minutes. J'aime bien comme C'est t'annonces ça ça. comme un Il vous mec. reste plus que 2 minutes. Avant le train qui dé... Le mec Oh! démarre dans Oh, 2 minutes. le grab! Je sais pas si t'as vu ça, mais le grab qui a failli choper les fesses de MyCutiePie. Là, on le voit, MyCutiePie, il a fait un petit. T'es genre le Ouais, il s'est petit pris une petite main. Oh, il était surpris. Il a sursauté. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il est chaud là, Un mon gros dieu. point J'ai rouge. failli perdre des cheveux là. C'était un peu chaud là. Oh là, attention, Oh, et Kiwi voilà le trade qui est Kiwi pris. Kid, Oh, il va pas pouvoir mettre son l'ulti! Ah ulti. non. Et tout petit Oh, Zach! il aurait mis l'ulti, il l'aurait tué. Et tout petit Zach! Tout petit Zach C'est qui s'en ça. va à la base. C'est trop mignon, hein, Zach à 2 PV. C'est tout minuscule. Ça ressemble à rien. Oh, Oh l'attention! là là, oh la déception pour Zion Spartan. Zion Spartan qui a clairement vu Flubber et il a voulu Et il doit en être trop au croquer. bout. Ah, mais il Ah! est Il mort était pour la mort! trade. Il était Oh, mort! sorry. Parce que ouais, T'es sérieux? à T'es la fin du TP, tu sérieux? prends les dommages, mais tu TP quand Ouais. même. Tu te TP juste à la fin. Oh là là, incroyable. Ah, on les voit, ils se marrent là. Kiwi Kid, il est mort de rire. Ouais. Il était mort de rire en mode Ah, t'es déçu. Quand Oh, ça ce entend le truc de prochain fou. teamfight, c'est lui qui va être déçu, quoi. Il a plus de Ouais, passif, il donc a là plus de passif, mais maintenant. en tout cas, il est pas mort. Donc là, oh, Kiwi Kid. Oh là là, la chance qu'il a eue, c'est fou quoi. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Le mec, c'est Bah, comme ça si reste t'étais un quick Anivia. TP, il C'est serait déçu, comme mais. une Anivia qui arrive en neuf au spawn, quoi. C'est un peu ça. Ouais, mais c'est déjà arrivé, hein. Special delivery, quoi. Ouais, le problème du back qui, dans les 2 dernières secondes, tu peux pas le Enfin, dans cancel. les deux dernières dixièmes Oui, de enfin, seconde, dans les plutôt. dernières secondes, Ouais, quoi. dans le dernier truc. C'est vrai que ça déçoit un petit peu des fois. Et Ouais. l'ulti d'Ez qui a rien touché, très bien. Ok. C'est bien, Et les Ezreal. GGU qui attendent le Drake au repop. Direct, quoi. Voilà, c'est Ils ont le bien. bon timer. Bon timer. Les Ça va le Dignitas qui faire très très sont dans vite. le coin MQTP qui est bot. Mais là, ça DPS tellement vite. Le smite qui est Ouais, claqué non. par Elise. Donc là, pas de problème. Le Drake incontesté. Et les Non, GGU qui les sont bien. Dignitas qui avaient pas le timer, donc ils pouvaient pas le contest. Ouais. Ils avaient vraiment aucune idée. Par contre, ça Attention. TP top, ça va Ouais. vouloir tomber cette tour en La tour qui échange. va probablement tomber là-dessus. Ça va Ouais, elle suffire. sera pas défendue par les GGU, donc Non, ça non. va tomber. Voilà, la tour qui est tombée. Et par contre, c'est une tour mid qui va peut-être être prise par GGU. Il faut faire gaffe là-dessus, côté Dignitas, à ne pas se laisser surprendre. Ezreal qui fait quand même de gros dégâts hein, sur la tour. Voilà, ça disengage. Pas de problème là-dessus.
TF et Zach qui arrivent par derrière. Attention à pas se faire prendre en sandwich. Ouais. TF qui veut peut-être Non, ça tester. va pas Non, en non, non, gage. Ça non. ping Ça... côté Ah, GG c'est quand même. wardé, hein. Faut faire attention, Zach, c'est wardé. Pas faire le fifou. Non, ça Ouais, non, retourne. ça Tout le monde retourne va. chez eux, pas de problème. Ça va pas trade. Au Pas niveau de du problème stuff, là-dessus. on en est où? Riven qui a déjà fait une soif de sang. Il y a Riven, c'est deux bien. larmes de la déesse. Le Rod of Ages qui est fait par Karthus, bâton Ah, séculaire, pardon. Solari qui est terminé par Elise. Donc là, Elle est prochain bien. teamfight. Ouais. Ah, il y a l'Egid qui a pop aussi côté Lee Sin. Donc ça devrait être assez Les deux balance. junglers qui sont à peu près, ouais, à peu... Oh, Et là, il y a ouais, à peu près clairement équivalent. plus de dégâts côté GGU. Hein. Oui. Parce que la Riven qui part full dommage alors que Zac part avec une cape solaire. Ezreal a son Donc, manamune, pas encore ouais. rempli, mais ça ne saurait tarder. Ezreal, c'est un des personnages qui remplit le plus vite le manamune avec son A. Vous Bah, avez il juste peut à le les spam. spammer, C'est il peut ça. spammer ses compétences dans le vide, ça charge quand même. C'est ça, vous avez juste à le spam. Alors, je vois dans le chat, non, on ne va pas cast les promotions. Tout simplement pour des raisons techniques. On ne peut pas le faire On depuis n'a chez pas nous. la connexion pour stream le stream, et puis en plus, bah, c'est un peu tard quand même. Ouais, Parce que le enfin, premier ouais. BO5 commence à 20 h, Fini à 5 h du mat donc après, ouais. Donc c'est un peu dur. ça va être compliqué. On aimerait, hein. Mais la Mais... semaine prochaine, vous aurez les meilleurs games de ces matchs de promotion. Ouais, on vous castera Enfin, dans cette émission. voire même, on fera peut-être ça pendant 2 semaines. Attention, Oh, l'engage là! J'ai s'engage, eu Zach! Jintai qui se Oh, fait le dégo! défoncer! Ezreal qui disengage, mais là, c'est pas possible. Là, très beau move de Lady Ignitas. De Lady Ouais. Ignitas, oui, de Lady Ignitas, on dit comme ça chez moi. Joli move là qui prennent le kill très facilement sur Jintai Ouais. qui a clairement vu son heure. Bah, C'était bien. Karthus qui est tombé vraiment en 2 secondes et il a clairement pas assez de dégâts encore pour servir en étant mort. Donc, très bien joué de la part des Dignitas qui recolle un peu au gold, mais il y a les deux Drakes qui font la diff quand même. Les deux Drakes qui Ça font, ouais. push côté GGU. Lee Sin qui va un peu des push top et qui va back. Elise qui se dirige aussi vers. Non, ça, là, ça se regarde un petit peu. Les deux équipes qui savent que là, on est clairement à un tournant de la game. Prochain teamfight va en grande partie décider de qui gagnera cette partie entre les deux équipes. Ouais. Parce que ça pourra Après, on le enchaîner sur rappelle, du c'est Nashor. que Donc. la première game du BO3, donc c'est pas la game la plus importante, quoi. C'est pas en gagnant la première, on prend quand même l'avantage psychologique, mais bon. Ouais. Mais Mais ça donne le ton, ça donne la température. ouais. Et Zion Spartan qui va se diriger peut-être pour faire un peu de speed push, de speed push, de split push, pardon. Côté GGU, mid, attention, peut-être un teamfight qui peut se profiler. Là, il y a MacutiPie qui est un peu overextend, mais qui back les 4 joueurs de GGU qui sont regroupés et qui veulent manger cette tour mid. C'est ce qu'ils veulent. Ouais, Ils sont bah, là elle est pour ça. vraiment à poil de vie, donc ils peuvent se la faire. Il n'y a pas beaucoup Encore un de tir. dépush Ah, côté Dignitas quand même. Ezreal qui fait des dégâts assez incroyables sur la tour. Il fait vraiment vraiment super mal. Hein. Oh, le grab Oula. là qui a failli choper à MacutiPie. Il l'aurait chopé, ça aurait été vraiment vraiment déterminant pour ce teamfight. Là, il y a Mais ça le n'arrivera pas. cocon et le grab qui sont passés. Si un Ouais. des deux chopait, c'était la mort. La mort pas de chichi, je pense. La mort pas de C'est chichi. ça. Complètement. Et l'ulti 2S qui est claqué pour un peu des push bots. Toujours Pour efficace. push, ouais, je sais pas à combien de vie elle est, la tour au bot. Bah, elle doit être un peu à poil pour Je avoir claqué sais l'ulti. pas si les sbires vont suffire à la tomber. On verra. Ouais, parce que la tache rouge a l'air assez grosse quand même. Ouais. Elle a l'air assez inquiétante. Enfin, on verra de toute façon. Et là, Le le jeu nous problème pour préviendra. les GGU, c'est que tous les kills d'Ignitas sont sur Draven. Ouais, Du coup, ouais, Draven est super bien dans la game, et comme on l'a dit, il n'y a pas vraiment. Les persos pour choper le carry AD adverse. ouais. Donc Allez, ça va être compliqué de tomber ce Draven, et ce Draven qui va faire des masses dommages, quoi. On a côté GGU globalement un farm meilleur. On a des kills qui sont. Bon, pareil, on a 3 kills côté GGU, 2 sur Ezreal et un seul sur Riven. C'est quand même assez hétérogène, je veux dire. Enfin, niveau de. Bah là, le Homogène, pardon. Draven qui est vraiment au-dessus, quoi. J'ai du Il mal avec les mots. est vraiment en avance sur la game, quoi. Niveau Exactement. thune, il doit être clairement au-dessus. Donc Et ça va le. être un Le souci. bâton d'archange qui est le séraphin qui est fini pour Karthus.
Donc il a bah Karthus, hein, c'est pareil, c'est un des persos qui monte le plus vite sa lame de la Bah, déesse, hein. Karthus avec ses dévastations, Les petites ça va à une vitesse pour charger. petites boulettes, petites boulettes, petites Les GGU boulettes. qui vont refaire un Drake, ils ont le Ouais, timer, ils dans sont 20 juste secondes. venus des De wards. toute façon, ils le voient, hein, les deux équipes qui n'ont pas la puissance pour engager de manière assez safe, ça se regarde un peu trop. L'objectif là, c'est vraiment de gagner du gold, de creuser l'écart pour les GGU, et ils vont le faire en allant sur ce Drake qui pop dans 3 secondes. Mais cette fois, les Dignitas sont au rendez-vous. Ouais, attention, la Allez, destinée. l'ulti TF pour confirmer. Destinée de TF là qui est Et claquée, ça c'est tendu. Attention, faut pas trop se manger de poke là. ça se Peut-être regarde un peu. on a une Là, guette. Là, dans c'est cette Zac, hein. configuration, c'est clairement le Blitz qui va faire la différence parce Ouais. que un grab et c'est le teamfight qui est gagné, quoi. Attention à pas trop Il se met en spack là. position. Oh, Et le ce grab de Karthus Skara qui qui fait flash out. Et fail. le engage de KiwiKid. KiwiKid qui fait le DPS, qui fait du let's bounce un peu tout autour de lui. Ça touche pas trop. Il a fait que 2 ticks. Skara qui prend Oh, quand même la l'item du sauce. deck qui a pris trop Ah, et cher. Zion Spartan qui prend le kill sur Skara. C'est bien joué. Patoy qui prend super cher aussi. Amakutipay qui prend pas mal de dégâts. Et l'ulti de Karthus qui est claqué et qui ne suffira pas parce qu'il se sera fait tuer pendant le cast. Et Ouais. Nintendo Dex, attention, KiwiKid là qui part. Le passif qui est claqué, mais ça ne le sauvera pas. Il y a 3 joueurs qui vont finir le cadavre. Et le kill qui est pris. Et le trade au final à l'avantage des Et GGU. 2 kills de teamfight plus. remporté par les GGU. 3 à 2. Je sais pas si c'est eux qui ont pris le Drake. 3 à 1. Je vais pas regarder dans l'action qui a chopé le Drake. Je n'ai pas. Ah merde, j'ai pas regardé. Peut-être les GGU, ça m'étonnerait pas. J'étais un peu trop occupé à voir le teamfight. Ouais. Je n'ai pas vu un peu le Drake. Mais en tout cas, 3 à 1. Un trade clairement à l'avantage des GGU. Donc, gros. Le Lance Bounce de Zac qui a vraiment. Qui a été assez efficace sur le Bah début, mais ouais. après il n'arrivait plus à atteindre les autres joueurs. Zach qui nous a un peu fait une hot shot GG, quoi. Il a sauté dans le tas tout seul et personne n'a suivi. Ah, c'est moins Skara qui pire que. venait de se faire grab, il s'était barré donc il était trop loin pour placer une gold card. C'était moins pire que Hot Shot quand même. Parce que Non, c'était moins pire, mais enfin, c'est un peu. Bah oui, il peut disengager avec son ulti, mais s'il avait mal fit, il aurait sauté dans le tas et puis après il serait parti à pied. Enfin, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais, mais Karthus, j'ai pas compris. C'est Karthus, c'est Elise qui a eu le Drake. Très bien, merci, merci le chat. Ok. C'est GGU qui ont pris le Drake, donc très 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 bon. Hein. Les GGU qui sont Et très très du bien dans coup, ce raid. Hein. teamfight qui a été, qui est largement à l'avantage des GGU, qui Oui. prennent une nette avance. On voit Et au niveau des golds, ça fait quasiment 4K. Dignitas qui était pas loin du Nashor qui veulent le préparer. On dirait c'est wardé des deux côtés. Ouais. Et les Dignitas qui se redirigent au mid. Là, on sent un peu le doute dans les Dignitas qui sont à 4K gold de retard sur les GGU. Bah, les Dignitas qui se disent vraiment que c'est la solution pour pouvoir revenir dans la game. Ils ont un Lee Sin, ils ont un Draven, du coup le Nashor, ils peuvent le faire très très vite. Attention. Mais Oh, le problème c'est que GGU, bah, Don't ils match me. s'y attendent, quoi. Ah, Zion Spartan, est-ce qu'il aura le temps de Bah, back? il va Ça vient de. réussir. Ah Ah non, non. non, non. Mais est-ce que. Zion Il Spartan qui se se chie un peu bat, il aurait dessus. eu le temps, je pense. Attention, là, le chase qui commençait à Ah, être c'est entamé. dommage de faire ça. Ah, il va se faire attraper par Lee Sin. Non, le Hadouken qui est claqué. On stun. Ah, c'est dur, c'est Ouais, dur, c'est bon, il c'est y a tous dur. les GU qui viennent le Ouais, les GGU qui sauver. viennent en backup. C'est très bien joué, ça. Bon Et du coup, il teamplay. va peut-être engager. Non. Non, non, pas Ah, ça aurait d'engage sur été ce mid. con de perdre l'ange gardien sur cette Oui. action. Ah oui. Ça aurait été très très con. Surtout qu'il venait de Mais l'avoir, ils s'en donc sortent. il venait de l'avoir, Ouais. donc c'était un peu décevant de le perdre là-dessus. Mais j'ai cru qu'il avait le temps de back. Hein. Enfin après voilà, faut Ouais, pas moi tenter aussi, le je diable. pensais Hein. qu'il était bon. Très souvent t'es là quand tu joues sur LoL en mode tu back, tu vois le mec se rapprocher, tu dis non j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. C'est Et là tu ça. back à la dernière milliseconde, tu fais mais des fois t'es un peu déçu et c'est pas ce qui se passe. Ou sinon, t'es en train de regarder ton shop et tu vois ton écran Ouais. qui devient rouge, tu fais mais qu'est-ce qui se C'est passe? Tu ça. quittes le shop, tu vois que t'es mort. Et tu fais non! Ah ouais! C'est trop deg. Ouais, c'est Merde! un merde, c'est ça. Et du coup, les GGU qui déwardent le Nashor, donc les Dignitas qui vont commencer à se faire un peu dessus. Ouais, Dignitas qui sont en aveugle sur ce Nashor. Il y a un oracle, c'est ça, ou il y a une ping que je n'ai pas Il y a vue. un oracle sur Blitzcrank. Oracle sur Blitzcrank, d'accord. Daedamine qui s'occupe de la vue, qui s'occupe un petit peu de la carte routière. Et C'est ça. le bleu qui est pris, qui va être laissé très certainement à Twisted Fate. Voilà. C'est Voilà, pris, pas de Skara qui soucis. prend le bleu. On va KiwiKid. dépush le
top. Ouais, KiwiKid Et du coup, ben, qui est ça se clairement. tasse un peu. KiwiKid qui est vraiment très loin. Par contre, là, il est. Par rapport à Ah ouais. la Riven a décollé dans cette game. Riven, 3-0, ça farme 236 très creeps. bien. En plus, elle a pris les kills, Oh donc le forcément, elle se farm. met très très bien. Le farm de la Riven, c'est elle qui a le meilleur farm de la game. Ouais. Elle est moins feed que Ez. Ez est encore plus feed avec ses assists. Mais les deux, c'est. Voilà. Dignitas ont deux Ah problèmes. bah là, Ça commence c'est par des un R bêtes et de un E. guerre, là. Hein. Ouais, ça commence par un R, E. Riven et Ezreal qui vont être très problématiques dans les prochains teamfights. Après, il y a un Draven en face qui est bien quand même, Ouais. donc Il est pas trop en loin. teamfight, il est laissé tranquille. Il peut faire le Le dégât. teamfight peut vite se retourner, mais bon, Zion Spartan qui a très bien compris les priorités, il saute à mort sur le Draven. Ouais. Il lui met la sauce. En plus, là maintenant, il a son ange gardien, du coup, il va pouvoir y aller sans complexe. Pas de Non, stress. il va pas fuir. Il va sauter dedans. Et oh, attention, un petit cocon qui a Le failli être cocon mangé qui par une rate. Maxipai. Draven qui va commencer à avoir un peu de mal, mine de rien, en teamfight. Hein, parce que c'est voilà, c'est squishy, ça peut se faire focus de manière assez sale. Mais voilà, il va vraiment dépendre de la protection de sa Sona et de son Zac. Bah, Lee Sin aussi peut clairement le défendre, hein. Un Un bon bon Dragon ulti Kick, sur ouais. la Riven qui Ouais, va essayer de le choper, ouais. ça peut clairement faire le taf, quoi. C'est ça. Et les GGU qui se dirigent vers le Nashor. Attention, peut-être un Nashor qui va être préparé. Il Ah, il n'y n'y a a plus plus d'oracle d'oracle. sur Plus Blitzcrank. d'oracle Il sur ne la voit Blitzcrank. pas, cette ward. Non, là, le Bon, Nashor normalement, qui est en le train d'être pris. Nashor qui va tomber très vite, ulti Ouais, de TF pour confirmer. la destinée de TF qui est vraiment, vraiment game breaker sur ce genre de choses. Oh! Le flash out! Esquivé par. Le grab qui est esquivé par Scar avec son flash out. Ça a été Ouais. vraiment dangereux. Attention, Nintendouzette qui prend Mais pas mal la du sauce. coup, oh, L'engage de l'engage de KiwiKid! KiwiKid qui KiwiKid! fait un joli engage là-dessus. Ça continue un peu de suivre, mais il n'y a pas Lee Sin pour faire le dégât. Il n'y a pas les corps à corps de Dignitas. C'est difficile. Attention, le grab de La Krums. Krums qui va se faire Draven. DPS. Draven qui prend le kill sur Jhin'Tae. C'est joli. Et le Ouais. kill qui est pris par Lee Sin qui est pris par Blitzcrank Oh sur Lee là là, Sin, c'est les difficile. dégâts de Zion Spartan. Ah, KiwiKid qui s'est relevé, mine de rien, c'est dur. Là, c'est très dur pour les Dignitas qui. Oh, dit Oh, Zion Spartan qui est flashing. chaud là-dessus. Non. Il a encore son ange gardien. Non, il va pas tenter le diable. Oh, TF qui prend un petit Ouais, kill. TF qui a pris un petit Ok. kill en scred Ah, là. c'est avec la tour, je Ouais, crois. ça doit être avec la tour, je pense aussi. Et. Et bah du coup, y a côté Dignitas, il y a que Draven qui fait du dommage. Ah Du ouais, on coup, l'a bah, vu. c'est compliqué pour les teamfights. Très joli en Qu'il a tout très cas. vite été écarté et après, bah, ça focus et ça tombe très vite côté Mais Dignitas. très joli teamfight de Immacutipa et on l'a vu, c'est le seul qui était en train de DPS quand Zac a engage, c'est le seul qui pouvait DPS, Lee Sin était trop loin, il y avait des sbires, il pouvait pas Hadouken dans le tas. Et là vraiment, Immacutipa qui m'a j'ai trouvé ce qu'il a fait sur le teamfight, c'était vraiment bien. Il a vraiment vraiment fait un maximum de dégâts, mais voilà, après derrière GGU, on avait le Karthus qui faisait le dégât de zone, on avait le S qui mine de rien avait fait un joli boulot de focus Ouais. aussi. Donc Et la Riven aussi qui fait ouais. très très mal. La Riven qui s'est promenée dans le teamfight. C'est Elle ça. a même pas perdu son ange gardien, du Non coup non. elle a même pas à s'inquiéter. Là je pense qu'il va partir sur un dernier souffle, histoire de vraiment instant tout le monde. Mais là, Et. on le voit aussi la puissance du Karthus, c'est qu'il se fait focus en premier comme une merde, on peut le dire. Mais il s'en fout parce que quand il est mort, il peut continuer de faire du Ouais. dégât et c'est ça l'important. Et là, on a eu une petite engage, disengage rapide là du TF qui était chaud patate là, Skara. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter quelque chose, mais il y avait trop de monde. Skara qui est un peu vénère, Ouais, Skara qui il avait veut faim. taper les gens, c'est ça. Skara qui avait faim. Et ça continue à se ward. Le Nashor qui a toujours pas été fait. Hein. 31 minutes de jeu. Non, Attention, Scrums qui oh! engage. Le disengage d'Elise qui passe dans la jungle. Pas de problème. Ah, ma game a bug. Ah, ta game a bug. Ah, très bien. Très bien. Ta game a Non, bug. c'est mon ordi qui a bug en fait. Très bien. Alors, on va mettre en pause. Mettre en pause. Voilà. On vous plante le décor. 45,6 gold pour GGU. 39,8 gold côté Dignitas. 8 à 6, c'est très chaud pour Dignitas qui joue leur premier match de ce BO3 qu'on vous caste et Sansou qui gagne. Alors Sansou, t'en es où? Shockwave Flash qui a encore crash, ça Très bien. me saoule un peu. Un petit bug. Alors, on va faire une pause très très rapide et on revient juste après avec son sushi qui. Ok, on est de retour.
Hop, je l'ai mis sans sous. On est de retour pour la suite de ce de cette game. Voilà, donc on en était à 31 minutes 21. Donc j'espère que t'en es là aussi sans souci. C'est bon. Je sais pas. Tu Moi, sais je pas. suis à Pixel 2 et Pixel 3. Très bien. Ok, il faudra se cotiser pour acheter un PC. Pour acheter une connexion ou un PC à son sujet. C'est surtout ça, en fait. Allez, 3, 2, 1, go! Hop, c'est parti pour la suite de cette game. Désolé encore du petit souci technique, on est reparti. Et le Drake qui va être entamé par les Dignitas. Premier peut-être ouais. Drake fait par les Dignitas, donc pas mal du tout. Voilà, c'est, ouais, voilà Drake ils qui est ressortent pris la tête. facilement. On relève la tête un petit peu côté Dignitas là. Les GGU qui ont pas réagi, c'est assez étrange. Et là le Nashor, attention, le Nashor qui va être tenté, là ça ping le Nashor côté Ouais. GGU, ça y va. Ça va Cette commencer à le fois-ci, il y a un DPS. Orak sur Blitzcrank qui vont pouvoir enlever la vision aux Dignitas. Ouais, Et là, vision qui je est enlevée. pense pas qu'ils vont pouvoir le défendre. Les Dignitas, c'est compliqué. Ça tombe très très vite. Oh, Voilà, le Nashor qui est Nashor qui est tombé fini. ultra vite. Alors là, vraiment un dépop du Nashor assez violent. Mais en même temps, avec un Ez et une Riven aussi vénère, avec un petit Bah, le Karthus en Karthus appui, aussi. Enfin, ça fait le dégât. Ça fait vraiment le dégât. ils Et font ce Elise. qu'ils veulent. Elise qui fait le DPS avec sur les Avec PV. ses araignées. Sur les PV. Et ça fait le taf. Ça fait le taf. Dignitas, du coup, qui font un Drake. Tu sais, les Dignitas sont un peu en mode ouais, on a fait le Drake, les gars, on est bien. Eh, mais en fait, on fait Nashor. C'est un peu difficile. Et du coup, la game qui évolue, mais ça ne décolle pas côté Dignitas au niveau de l'avance en gold. GGU est toujours très très bien dans cette game. Sans souci, je t'ai perdu. Que se Allez, passe-t-il? que se passe-t-il? Oui. Je sais pas, tu parlais, ça coupait d'un coup. Ah, ça a coupé d'un coup. Très bien, d'accord. Excuse-moi. Moi, j'espère qu'on m'entendait sur le cast. J'espère. Enfin bref. Du coup, le Nashor qui est pris par GGU, le Drake par Dignitas. On n'est pas super bien côté Dignitas. Niveau des items, on a quand même le Draven qui est bien, hein, qui est bien dans sa game. 4-0-1, Ouais, et puis 271 surtout qu'on a creep. vu que les teamfights étaient clairement à l'avantage des GGU, du coup là, avec un Nashor en plus, Ça va être dur. s'ils n'arrivent pas à tomber un INIP, c'est qu'il y a un problème, quoi. Les GGU qui devraient rouler sur les Dignitas dans les minutes à suivre. Ouais. Et alors j'ai cru que Ez allait nous faire Alors il nous fait pas le blue build. Parce que vous savez, il y a ce blue build qui consiste à prendre que des items bleus. Enfin presque tous les items bleus avec Ez, mais ce n'est pas le cas. On a juste le Manamune et le gantelet givrant avec la soif de sang. Là on a vraiment trois Ouais. items très très bons sur Ez. Et Ez qui est vraiment vraiment bien dans cette game. Et qui. Attention, la langage qui a été claquée par Zac qui fonce dans le tas, le Let's Band qui est claqué. Et Zion Spartan qui perd son engagement sur ce fight. Là, attention, Kiwikid qui prend pas mal de dégâts quand même. Ça reste en backfoot. Zion Spartan qui prend encore du dégât. Le tir de Karthus qui est claqué. Et Ska qui tombe pas. Et si, il tombe en fait. Si. Ez n'était pas d'accord avec ça. Et il lui inflige le dégât. La petite bifle sur la lèvre. Ça fait un peu mal. Mais Ouais, et Krumms qui du a coup, failli tomber ben, aussi. Hein. ça va être la game là-dessus, parce Ouais, qu'on a c'est la trois game. morts pour C'est la game. zéro, et voilà. C'est totalement la game sur ce teamfight qui a été juste réglé en un éclair. Enfin, ça a été vraiment Ben, violent. Là. la puissance de Blitzcrank, quoi, c'est un GG! engage tellement fort, Ouais. ça fait beaucoup trop le taf, le Blitzcrank avec le grappin, donc forcément, ça. On va le revoir, tiens, rapidement, le teamfight. Je vais me remettre dedans. Tiens, on va regarder un peu ce dernier parce que c'est un peu trop vite. J'étais un peu revenu du souci technique en mode pas vraiment encore totalement dans la game. Alors, on se met à 57-12 si tu veux. Est-ce que tu y es? 57-12. Ah, je te demande un truc compliqué avec le. Mais les Dignitas qui perdent cette game, c'est quand même incroyable parce que les Dignitas. Team, quand même, enfin voilà, c'est les Dignitas, les mecs ont performé tout au long des LCS, perdent contre les GGU d'une manière assez enfin, violente. Là, c'est pas un stomp non plus trop 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 infâme, mais c'est pas loin. Et qui perdent cette première game dans ce BO3. Et alors, où est-ce que t'en es sans souci? Je suis à 57-13, mon Ok. lecteur qui ne veut plus revenir en arrière. C'est bon, c'est bon. Allez, 3, 2, 1, top!
Et voilà, on va regarder un petit peu le langage. Voilà, le grab de Skara. Skara Kazonia. Hein. Il a fait un joli un Zonia très pour bel Tempo. Outil de Sona quand même qui a touché tout le monde. Oui, mais là, il y a eu un beau taf côté Dignitas. Il y a eu l'ulti de Sona, l'ulti de Zac avec langage. C'était vraiment, vraiment joli. Mais voilà, il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts. Ouais, voilà, ça. Ezreal qui prend double kill, Zion Spartan qui a tué Draven. Et voilà, quand vous perdez Draven avec la compo Dignitas là, bah, vous perdez simplement le teamfight, vous avez plus de dégâts. Donc, bah, les Dignitas qui sont clairement pas assez tanky, ils ont pas de dommages. Enfin, on l'a vu, les teamfights au cours de la game étaient très très compliqués. Et puis là, bah, c'était le grappin de trop qui. Ouais. Permet de, bah, de terminer la game facilement. Mais le pire, c'est que Skara a réussi à s'en sortir dans ce teamfight. Il a Zonia de manière assez. À mon avis, il a éclaté la touche Zonia. Il a vu le grapp, il était dans la masse. Il a fait oh ouais. Putain! Il a massacré sa touche. C'est ça, il a défoncé la touche Zonia et ça lui a permis un peu de tempo. Mais ça n'a pas suffi. Franchement, ce teamfight aurait été mené avec des équipes un peu plus équilibrées niveau des stuff, je pense que Dignitas s'en serait quand même beaucoup mieux sorti parce qu'ils ont fait un joli taf quand même sur le dernier teamfight, ouais. Mais ça n'a mais pas ils suffi. Ils étaient déjà en retard, ils ont laissé passer trop de Drake. Et le pas dernier de Drake, ils le prennent, mais ça leur ça coûte un Ashor, donc... Ouais. Ouais. C'est... Ouais. Bah, je suis con, on a back alors qu'ils remettent le teamfight. C'est un peu déçu. Voilà, on l'a vu le cocon into grab de Blitzcrank, c'était vraiment, voilà, on le voit là, l'ulti de Sona et l'ulti de Zac qui ont été très bien. Mais voilà, lance gardien de Zion Spartan qui tempo, on ne prend pas le kill sur Zion Spartan qui prend directement le kill sur Draven, Skara qui tombe. Par, voilà, le petit... En plus, il avait été grapp. Le grapp était passé. Il a été tué pendant le grapp du Blitzcrank. Donc, un joli, joli teamfight pour clôturer ce match. Voilà. Ça le fait pour cette game. Donc, on rappelle, donc on vous le dit sur ce BO3. Donc, ensuite, Dignitas a pris la deuxième game. Mais GGU ont pris la troisième. Ce qui fait que GGU ont gagné. Ont gagné ce BO3. GGU qui est passé en demi-finale contre... Contre Curse. Ils sont passés contre Curse, qu'ils ont éliminé aussi. Ouais. Pour après aller en finale où ils perdent 3-2 contre TSM qui ont fait qui ont pris une première game de manière assez convaincante, c'était vraiment joli. Et après GGU a repris la deuxième, TSM a repris la troisième, c'était vraiment hyper serré avec des super games. Mais au final, TSM qui s'est imposé sur cet échange et c'était vraiment en tout cas c'était des playoffs assez sympas à voir avec du chamboulement. GGU et Vulcoun qui ont fait un parcours magnifique en playoffs, qui finissent deuxième et troisième de ces playoffs alors qu'ils étaient très très loin au niveau de la saison régulière. Donc une belle perf et des équipes à suivre pour la suite des LCSNA. Ouais, exactement. Je pense qu'on essaiera de les commenter plus souvent quand on fera nos récaps des journées. Ouais, ça c'est sûr. Vous pourrez compter là-dessus. Donc en tout cas, on espère que vous avez aimé ce cast. Nous, on va vous laisser ici avec... Alors après nous, c'est Mister MV, j'imagine. C'est l'ami. C'est ça. Mister MV, calmez-vous tout le monde. Oui, c'est Mister MV avec son speed nymph. Qu'est-ce qu'il fait, Mister MV, aujourd'hui? Je me demande. Je ne sais pas. Je me demande ce qu'il fait le bougre. Je vais mettre un petit peu de musique pour clôturer le stream. Alors, Mister MV, que fais-tu après nous? Bref, en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre feedback, à nous dire comment vous avez trouvé notre cast. Shadow of the Fort Boyard, bien sûr. Oui. Très bien. Tu es Il aime les calembours, ce monsieur. Enfin bref. Eh oui, t'as vu, je suis un imitateur en fait, en vrai. Hein. C'est mon métier. De profession. De profession, oui. Mister MV, je l'imite très très bien. Voilà. Ouais, enfin là, c'était Mister MV qui a fait un tour. C'est de l'autre côté du Rhin, ya. Oui, c'est ça. Enfin bref. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre feedback sur notre cast, on ne demande que ça. On vous laisse notre chaîne YouTube, notre Facebook, donc voici le Facebook et la chaîne YouTube. Hop, la chaîne YouTube, c'est simplement youtube.com/alpha et sans sous, que vous pouvez aller check. Ça nous fera grand plaisir. Et voilà,
vous pouvez nous suivre là-bas. On a aussi un Twitter aussi, vous tapez Mewcast et vous trouverez notre Twitter. Donc voilà, on espère que vous avez kiffé cette émission. On vous laisse avec la vie MV qui va nous faire, qui va nous faire Shadow of Fort Boyard. Shadow of the Colossus, j'imagine. si ce n'est pas Fort Boyard. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Voilà. Sans souci, j'espère que malgré tes bugs, ça a été quand même. Ça a été, comme d'hab, toujours des petits bugs, mais bon, on fait avec. On se retrouve quand même jeudi pour le multipass. C'est ça, multipass. Les multipass, c'est jeudi. Et samedi prochain pour une nouvelle émission LOL qui n'a toujours pas de nom. L'émission qui n'a pas de nom. L'émission qui n'a pas de nom. Temporairement, YouLOL. Donc voilà. Nous, on vous laisse. Et à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde, et merci de nous avoir regardé. Ciao, ciao. On te laisse sans thème, MV. Multipass sur quoi? C'est pas. On ne sait pas. Comme d'habitude. Ça sera surprise. Surprise. C'est ça. Sûrement Shadow of the Foyard parce qu'apparemment ça a l'air bien comme jeu. Ouais, le mode multijoueur a l'air cool. Surtout celui où tu dois envoyer des nains pour toucher une boule. Il est sympa. Ouais, l'épreuve lancée de nains, elle est pas mal. Ouais, elle est cool. Allez, ciao tout le monde. À jeudi.